Voilà, donc de retour après cette petite pause, toujours avec Philippe Londeux. Et donc après cet exposé fort intéressant, hein, sur Robespierre et la Révolution française, j'aimerais bien qu'on rentre maintenant, comme on est décidé, un peu dans le fond de ta théorie du civisme. Voilà, alors on rentre un peu plus au cœur de la matière. Si pour faire la transition, une phrase qui pour moi est la... une des plus importantes qui a été, non pas prononcée, mais écrite à l'époque de la Révolution, oui, et par Robespierre, c'est celle-ci. Alors, en substance, parce que c'est... Robespierre écrit, quand est-ce que l'intérêt... Donc, quand est-ce que l'intérêt des riches et des pauvres sera confondu? Jamais. Quand est-ce que l'intérêt des riches et des pauvres sera confondu? Jamais. Et il raye cette phrase. Il l'a rayé. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais d'ailleurs, c'est pas... Moi, je pense que Robespierre a eu une intuition et qu'il a eu tellement peur de ce qu'il avait découvert qu'il a rayé cette phrase, il a essayé d'oublier ce qu'il avait trouvé. Quoi. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Ben, il a trouvé que dans le système monétaire, il y aurait forcément des riches et des pauvres et que donc leur intérêt ne serait jamais confondu, donc qu'ils ne pourraient jamais parvenir à ce qu'ils voulaient, qui était l'égalité. Mais... il n'a pas eu l'idée, en fait, de sortir du système monétaire. Il a fait un constat qui est vrai, hein, dans le système monétaire, il y a par définition des riches et des pauvres. De par le jeu de la monnaie, il y a forcément des riches et des pauvres. Donc, quand on veut l'égalité, quand on parle d'égalité, c'est l'égalité des citoyens en devoir et en droit, quand on sait que la plupart des droits passent par la monnaie, par définition, quand on est riche ou quand on est pauvre, on n'a pas les mêmes droits. Quoi. Et l'inégalité est donc une fatalité dans le système monétaire. Et comme il voulait se battre pour l'égalité, qui est impossible dans le système monétaire, il a essayé d'oublier ce qu'il avait trouvé. Il a continué à se battre pour l'égalité, mais qui est forcément une égalité dénaturée. Et donc c'était déjà voué à l'échec. C'est-à-dire que... Et comment... Alors toi, justement, on t'explique comment on pourrait pallier à cette inégalité en abolissant l'argent. C'est quand même pas très commun, quoi, comme façon d'aborder le problème. Mais en fait, c'est une conséquence. C'est-à-dire une conséquence de... C'est une conséquence des principes. C'est-à-dire, encore une fois, je pose le principe que le principe fondamental de l'ordre social, c'est l'égalité des citoyens en devoir et en droit. Mmh. Alors, un citoyen, c'est quelqu'un qui a le devoir de participer à la vie de la cité, selon ce que la cité considère comme une participation, et qui, en retour, a le droit de profiter des bienfaits de sa cité, comme tous ses concitoyens. Mais pour profiter des bienfaits de la cité, comme une partie de ces bienfaits consiste en production, qui sont sur le marché, il faut que les citoyens puissent accéder au marché. Donc, si on reformule, c'est... les citoyens donc, doivent être égaux en devoir et en droit, dont celui d'accéder au marché. Ce qui veut dire que les citoyens ont le droit d'accéder au marché parce qu'ils sont citoyens. Donc si c'est la citoyenneté qui confère le droit d'accès au marché, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de monnaie en fait. Et, là, si mais, je te dis, oui, mais alors, t'as le droit de rentrer dans la pièce parce que c'est toi qui fais l'émission, il n'y a pas d'unité, tu rentres dans la pièce, tu fais ce que tu veux, tu sors, tu rentres, tu... Ben, voilà, c'est pareil. T'as pas un ticket à chaque fois que tu rentres. Oui, mais alors, tous les... Alors oui, parce que... C'est exactement la même chose que quand des gens font partie d'une entreprise. Souvent, ils ont une carte qui atteste qu'ils font partie de l'entreprise. Cette carte sert essentiellement à leur permettre d'accéder à l'enceinte de l'entreprise. Donc avec cette carte, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Cette carte, bon, c'est pas une carte... En fait, le principe que j'ai exposé, pour être appliqué, il faut effectivement que les citoyens disposent d'un moyen d'attester leur citoyenneté. Ben, aujourd'hui, c'est très simple, hein, il suffit de les doter d'une carte, une carte à puce, qui va chercher l'information dans une banque de données, qui vérifient qu'ils sont citoyens, ou qui vérifient leur citoyenneté, l'information c'est oui ou c'est non, il n'y a pas de un peu, pas beaucoup, 10, 20, 30, non, c'est oui ou c'est non, c'est binaire. Et à partir du moment où leur citoyenneté est constatée, ben, ils vont chez le commerçant et ils prennent ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai pour tout le monde, c'est pas vrai pour un individu, c'est vrai pour tout le monde. Évidemment, pour l'instant, on vient à peine de poser la base.
Je dis les choses de manière simple. En réalité, c'est forcément plus compliqué que ça. Oui. Mais le principe, c'est ça. C'est la citoyenneté qui confère le droit d'accéder au marché. Et je te disais, je sais plus, attends, je suis perdu. Je te parle des gens qui ont un badge. Oui, qui rentrent dans l'entreprise. C'est le même principe. Alors, leur badge est moins compliqué, parce que souvent, en fait, c'est l'information est contenue dans la carte elle-même, c'est pas relié à une banque de données, etc. Mmh. Quand ils badge, ça va dans une banque de données, mais c'est pas la carte elle-même qui permet d'accéder à la banque de données. Mais peu importe, c'est le même principe, en fait. Et là, il s'agit d'accéder à l'enceinte, une enceinte physique. Mmh. Là, dans le cadre de ce que j'appelle la carte civique, il s'agit d'accéder au marché. Mais alors, techniquement, c'est la même chose. Mais alors, c'est-à-dire, les personnes, elles ne sont plus payées. Enfin, elles ne sont plus payées, parce qu'il n'y a plus d'argent. Mais pourquoi continuer à travailler? Mais aujourd'hui, on n'est pas payé non plus. Aujourd'hui, on nous donne des miettes, mais ce n'est pas être payé. En fait, l'argent sert à nous dépouiller de nos droits. Enfin, la monnaie. Mm-hmm. La monnaie sert à nous dépouiller de nos droits. L'argent, la monnaie n'intéresse que les riches. Pour les pauvres, ça n'a pas d'intérêt, la monnaie, quoi. C'est un moyen de les exploiter. On leur dit, tiens, t'as vu, je t'ai donné un truc. Oui, ça vaut rien, c'est à peu près pareil, quoi. Ouais, à peine de quoi vivre, ouais. Repose ta question. Bah, justement, si, par exemple, moi, demain, on me dit... Ah non, parce que alors, tu me dis... Il n'y a plus d'argent, pourquoi j'irai travailler, quoi. Non, mais... c'est pas que t'es pas payé. C'est que... Quand tu participes à la vie de la cité, bon, pour être simple, tu fais partie d'une entreprise, tu es citoyen. Puisque l'entreprise existe officiellement, donc elle a une utilité. Donc bon, le fait même de faire partie d'une entreprise fait que tu es citoyen. Donc tu travailles dans cette entreprise, qui te garde évidemment quand tu travailles, si tu ne fais pas ton boulot dehors. Ouais, ouais. Bon. Bon, tu fais partie de l'entreprise, tu es citoyen. En retour, tu as le droit d'accéder au marché, librement. Alors, tu me dis que tu n'es pas payé. Imagine que demain, tu fais ton boulot, et qu'en sortant, tu puisses acheter ce que tu veux. Est-ce que tu imagines la somme d'argent qu'il te faudrait pour pouvoir faire ce que tu veux, quoi? Ben c'est, grosso modo, c'est l'équivalent de ce que tu es payé dans mon système. Sauf qu'il n'y a pas d'argent. Ouais, mais s'il y a pas de... En fait, il faut comprendre une chose. Ouais. C'est comme une sorte de forfait. En fait, tu ne payes pas en détail ce que tu achètes, ce que tu retires du marché. Tu payes en gros le droit d'accéder au marché par ton travail. Tu remplis un devoir envers la cité, et la cité en retour te garantit le droit d'accéder au marché. Puisque le marché, il est alimenté par les gens. Et les entreprises, ouais, mais n'ont plus d'intérêt. Les entreprises qui existent juste pour un but lucratif, elles n'ont pas de... L'entreprise sera forcément constituée de citoyens. Ah, ce ne sera plus des entreprises comme maintenant. Ah bah, non, mais tout change. Tout change. Ouais. Non, mais toute la mentalité change par définition. Quoi. Mais l'entreprise est constituée de citoyens qui ont intérêt à le rester. Mais ils le restent s'ils produisent collectivement des choses qui intéressent la cité. D'ailleurs, l'activité, quand je disais, le principe de base, c'est qu'un citoyen participe à la vie de la cité selon ce que la cité considère comme une participation. Alors, quand des citoyens sont ensemble dans le cadre d'une entreprise pour remplir leur devoir, il va de soi que l'entreprise a des résultats minimums à atteindre. Mmh. Et l'intérêt de ces gens-là, c'est d'atteindre ces résultats au minimum. En fait, après, il y a des mécanismes qui font qu'ils sont obligés d'aller plus loin, mais enfin, il faut au moins qu'ils atteignent ça, quoi. S'ils atteignent ça, ils ont fait ce que la cité demande, attend d'eux. Sinon, il y a des sanctions. Et comment on calcule le... C'est facile. En fait, tout devient une question de bon sens. Moi, je prends souvent cet exemple-là. Imagine quelqu'un qui veut ouvrir un bar dans un petit village. Mmh. Bon. À partir de quand, à partir de combien de clients, est-ce qu'on peut considérer que son bar a une utilité, Ça dépend oui, voilà, plein de choses, plein de facteurs. C'est pas très difficile. Il ne s'agit pas de définir le potentiel optimal du bar. Mm-hmm. Il s'agit de définir un minimum à partir de quand on pourra considérer que ce bar a une utilité en termes de clients. S'il fait zéro client, bon, il ne sert à rien. Il faut pas oublier non plus que c'est un système dans lequel les gens ont un libre accès au marché. C'est-à-dire que même dans un petit... Dans un petit village... La supérette, les prix, il n'y a pas de prix. Donc c'est pas moins cher ou plus cher d'aller à la supérette du coin que d'aller faire 30 bornes pour le supermarché. On peut très bien aller à la supérette, hein, ça ne coûte pas plus cher. Ouais, mais quel est l'intérêt d'une supérette? Je comprends pas. C'est quelqu'un qui veut travailler. C'est quelqu'un qui veut être citoyen.
Ah oui, mais alors donc toutes les grandes surfaces, ça va disparaître. Ça... Pas forcément. Oh, quasi instantanément, à moins qu'elle soit reprise, comme tu dis, par non, quelques citoyens. Non, mais bon, parce que ça aussi. Non, mais déjà, il y a des gens qui en font partie. Aujourd'hui, elles existent. Donc, il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'elles continuent. Mais en même temps, il est effectivement évident que les gens auront plutôt tendance à. Enfin, ne feront pas forcément des dizaines de bornes pour aller au supermarché. Si le produit est à côté, qui n'est pas plus cher, ils iront à côté. Hein. Donc ça va redévelopper le commerce de proximité. Parce qu'en gros, quand je rentre dans la supérette, je me sers de ce que j'ai besoin, je ressors. Et je montre que je suis citoyen. C'est un peu ça. Je schématise, mais c'est ça. J'ai ma carte citoyen et hop, je prends ce que j'ai besoin et je m'en vais. Et alors si ça existe, pourquoi s'en priver? Et celui qui a la supérette, lui, son seul truc, c'est d'avoir accès au marché mais en tenant une supérette, quoi. Bah son boulot, lui, c'est... Parce que ça ne lui rapporte pas d'argent de vendre des trucs, parce qu'il n'y a pas d'argent. Pas d'argent, mais c'est le fait qu'il ait des clients et qu'il écoule une certaine quantité de produits qui atteste que lui-même a fait son devoir. Donc, il faut qu'il fasse son boulot. Et une fois qu'on a constaté qu'il fait son boulot, il est citoyen. Et en tant que citoyen, lui-même va chez le boucher, chez le coiffeur, chez le dentiste, chez le médecin, etc. Mais alors, est-ce que aussi il n'y a pas une injustice, si j'ose dire, entre en tout cas on a supprimé l'unité de valeur monnaie, est-ce qu'il n'y a pas une unité de valeur quand même travail, entre le travail d'un chirurgien moi, ce qui me fait marrer, qui doit faire 10 ans d'études et puis... Mais 10 ans d'études, dans mon système, qu'est-ce que c'est les études dans mon système? Aujourd'hui, quand on fait 10 ans d'études, on n'est pas payé. Non, on est payé après, on va dire. Dans mon système, il est citoyen dès qu'il commence à faire ses études. C'est pas... Attends, c'est quoi? Il a pas été à la guerre, le mec, hein? Parce que moi, faire des études, c'est pas... C'est compliqué, quand même, c'est un peu... D'accord. C'est pas un sacrifice, quand même, après, non? Après, forcément, si le mec préfère faire chirurgien ou éboueur... Parce que même dans éboueur, il faudrait plus trop en faire, Mais c'est pareil. C'est marrant, parce que tout le monde pose la question. Et en fait, dans 5 minutes, tu vas dire le contraire. En fait, tu vas dire le contraire. Bah, tout le monde va faire ingénieur. Bah non, on peut pas tous faire ingénieur. Et en même temps, on peut pas tous faire éboueur. Et on veut pas tous. Voilà, c'est... Si t'as pas d'inconvénient à faire des études, si t'en as les capacités, derrière, ça t'amènera un meilleur boulot. Qui te rapportera peut-être pas plus d'argent. Mais personnellement, ce sera pour toi un meilleur boulot. Et socialement, ce sera quand même mieux, toujours, d'être chirurgien, docteur, etc. qu'éboueur. Mais même les métiers libéraux, ça peut marcher. Par exemple, un artiste qui ne produit rien, vraiment. C'est pareil, un artiste. Enfin, par son art, mais justement. Un artiste qui marche, il produit quelque chose. Ouais. Ouais, mais sinon, celui qui marche pas, qui produit des trucs, mais ça marche pas. Il aura quand même accès au marché ou pas? Ah non. Comme aujourd'hui. Non, mais ce que je propose, quelque part, n'est pas tellement différent du système que l'on connaît. D'accord. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Ouais. Ce qui change tout, en réalité. Mais quelqu'un qui ne produit... Parce que on ne mesure pas l'activité de quelqu'un par rapport à ce qu'il produit. On mesure l'activité de quelqu'un par rapport à ce qu'il vend. Enfin, ce qui rapporte comme argent, non. Dans mon système, il n'y a pas d'argent. Mmh. Mais par rapport à l'intérêt qu'il suscite au niveau des consommateurs ou des citoyens. D'accord. Si personne ne s'intéresse à ce qu'il fait, c'est comme s'il n'avait rien fait. Parce que lui, quand même, quand il est citoyen, il va quand même pouvoir retirer des biens qui l'intéressent. Donc il faut que lui-même fournisse à la cité quelque chose qui intéresse les autres. Mais ce serait pas plus simple, le revenu de base, le salaire universel à vie, plutôt que... Non mais c'est une vue de l'esprit. Mmh. On n'arrive pas à payer les retraités correctement, on ne paye pas les femmes au foyer, on ne paye pas, etc. etc. Et maintenant, on va assurer un revenu à tout le monde. Assuré par la consommation, si on paye ce qu'on consomme, non? Pour crever tranquillement tout le monde dans son coin. C'est n'importe quoi. En plus, c'est une logique totalement capitaliste. Hein. Ouais. C'est totalement contre-révolutionnaire. Hein. Ah ouais, tiens, c'est marrant ça. Tu trouves Bernard Friot, tout ça, tu trouves... Tant qu'on est dans la logique capitaliste, on est un contre-révolutionnaire. On ne veut pas la révolution, on veut faire perdurer le système. Enfin, c'est pas forcément ce qu'on veut, de manière objective, de manière consciente. Mais en tout cas, la conséquence, c'est quoi? Alors, il y a des questions, tu imagines bien, mais là, je savais qu'immédiatement, ça a suscité une tonne de questions. Alors, on me dit, le citoyen qui a 10 enfants, s'il prend sa dernière baguette de pain et que le suivant, qui n'en a qu'un, donc, a le droit à une baguette. Bref, ce système sera aussi injuste que les autres proposés, non? On parle, est-ce qu'il n'y aura pas une forme d'injustice? Comment on va répartir, les richesses? En fait, c'est la répartition des richesses. Ça me fait penser à quelqu'un que je connaissais. Voilà, on me dit, le citoyen qui fait un métier plus dangereux que les autres, plus fatigant, est-ce qu'il a le droit à plus de nourriture? Non. Mais on peut pas avoir plus de droits.
Oui, parce que c'est le même droit pour ça tout le monde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais déjà, un métier plus dangereux, d'accord. Est-ce que c'est un système qui va pouvoir garantir le maximum de sécurité à ses employés, si ça ne coûte pas d'argent? Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on rogne sur les marges de sécurité, etc. Pour des questions de profit, hein. Mais tu crois que aussi, est-ce que le sens des choses va changer? C'est-à-dire, par exemple, les entreprises n'auront plus intérêt à produire du tout, il y aura toute la production va s'arrêter, non? Je me fais l'avocat du diable, involontairement. Hein, oui, oui. Oh, en plus, ton livre, mais... ça tombe bien, c'est le réquisitoire, donc. Mais non, mais je viens de te dire, une entreprise, l'activité d'une entreprise est validée, à partir d'un certain moment, si elle ne produit pas, c'est fini. Donc finalement, ce qui est pas mal, enfin moi justement dans l'avocat du diable, là je parle contre tous ceux qui ont des... Ça voudrait dire que les entreprises n'ont que des bonnes intentions un peu. Deux secondes, je ne pourrais évidemment pas répondre à toutes les questions oui, que vous me posez là, questions, oui. Mais je vous garantis que toutes les réponses, toutes les questions que vous avez pu imaginer, je les ai évidemment imaginées aussi, et j'apporte les réponses dans les deux bouquins en fait, qui sont le réquisitoire ou le civisme, ça dépend de la question. Et ils sont tous dans le bouquin, tout sur le civisme. Et on me dit, par exemple, oui, finalement, ceux qui ne travaillent pas. Alors, voilà. C'est quoi le cas de ceux qui ne travaillent pas? Alors, il y a deux choses. Ceux qui ne peuvent pas travailler. Voilà, oui, il y a le cas. Pour X raisons. X raisons, handicap, etc. Genre, c'est plutôt dans le cas. Alors, celui-là, effectivement, est à la charge de la société. Bon, ça ne veut pas dire qu'il soit, ça veut pas dire qu'il est citoyen. Hein. Mais il est à la charge de la société. Ça ne lui coûte rien, de toute manière, il peut être à la charge. Et quand on n'est pas en état de travailler, c'est quand on n'est peut-être pas non plus en état d'exercer ses droits de citoyen. Donc si on n'est pas en état d'exercer les droits du citoyen, ni non plus les devoirs, on ne peut pas être citoyen. Ouais, mais si quelqu'un lui manque une jambe ou un bras... Alors on peut travailler, hein. Ouais. Bah attends, on n'est pas... Oui. Excuse-moi, pour être dans un fauteuil, on peut travailler. Hein. Oui, c'est vrai. Mais, D'ailleurs, moi, je pars du principe que ce n'est pas à la société de dire si quelqu'un est handicapé. C'est à l'intéressé lui-même. S'il veut s'assumer en tant que citoyen valide, il a sa dignité. Mais maintenant, si effectivement il se sent trop incapable, il y a des gens qui ne sont pas conscients non plus de leur handicap, qui sont. Bon. Après là, effectivement, c'est la société qui les prend en charge. Mais on nous parle des handicapés, quelle est leur situation aujourd'hui? Ils ont besoin de matériel qui leur coûte les yeux de la tête, ils ne peuvent pas se le payer. Oui, c'est vrai, ouais. Puis, même si le matériel existe. Ils n'ont pas accès à beaucoup d'emplois. Ben, la question elle est réglée. Hein. Alors, en plus, évidemment, dans ce système-là, on peut, comme aujourd'hui, imaginez des quotas pour des gens qui sont handicapés, enfin qui sont diminués, ça défile. Ça suscite évidemment énormément de questions. Qu'est-ce que tu as vu comme question? Ne vaudrait-il pas mieux réquisitionner les banques et redonner ses aides de noblesse à l'argent? Bah oui, c'est un... Bah non, mais l'argent... C'est la situation, voilà ce que je t'évoquais en off, tu vois, que tout le monde... C'est-à-dire, toi, tu dis, la création monétaire, ça suffit pas, non, mais... l'argent public, ça sera pas suffisant. Déjà, alors c'est une chose que je n'ai pas encore dite, l'argent, ce n'est pas la monnaie. Enfin, ce que moi j'appelle l'argent, que j'écris avec un grand L, enfin, L majuscule et argent tout attaché, ce n'est pas la monnaie. L'argent, je le définis comme étant la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. C'est une croyance qui vient du troc. C'est le fait de pratiquer le troc qui fait que les hommes finissent par concevoir cette croyance, la notion de valeur marchande. Et la monnaie n'est qu'une conséquence de cette croyance. L'argent, donc, au sens propre, c'est cette définition-là, la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. L'argent, au sens large, ça englobe tout. Toutes les conséquences de ce principe-là, à commencer par la monnaie. Et il faut bien comprendre que, alors, maintenant pour parler de la monnaie fonctionne selon deux principes. Le principe de l'attraction, le premier principe, c'est le principe des vases communicants. La monnaie circule. Oui, oui. Pour qu'il y en ait ici, il faut en prendre là. Le principe des vases communicants. Et la monnaie incarne des droits. Ce qui fait que comme la monnaie circule, elle finit forcément par s'accumuler à un certain point. Et comme c'est des droits, c'est du pouvoir. Et du pouvoir d'attraction. Donc, obligatoirement, dans le système monétaire, il y a inégalité. Déjà, il n'y a pas de droit, en fait, au sens propre. Il y a, la monnaie limite par définition, le pouvoir d'achat est limité avec la monnaie. Il est limité à la quantité de monnaie dont on dispose. Donc ce n'est pas en fait un vrai droit. Ce n'est pas du... Quand on est dans un système monétaire, on ne peut pas concevoir les droits du citoyen. Puisque les droits du citoyen passent par la monnaie. Enfin, les droits des individus passent par la monnaie. Donc on ne peut pas réfléchir en termes social. C'est,
c'est la monnaie qui incarne les droits. Donc quand on va sur le marché, on n'a pas de droits parce qu'on est citoyen. On a des droits si on a de la monnaie. Si on a de la monnaie, ouais. C'est, dans le système monétaire, donc sous l'argent, on n'est pas dans la logique sociale. Et le paradoxe, c'est que l'argent est au cœur de la société. Enfin, en tout cas, de ce qu'on appelle société. Et pour moi, tous les dysfonctionnements, en fait, viennent de là. C'est que quand vous mettez des roues carrées à votre voiture, ben, elle marche moins bien. Quoi. Enfin, c'est exactement ça. Quoi. Ouais, parce que voilà, on me dit, est-ce qu'un système de cartes de citoyens, c'est pas le début d'un système type communisme? Voilà, c'est pas le début d'un nouveau type de dictature, ce qu'on me dit. Ça fait un peu, ça les effraie, oui, les gens. Oui, bien sûr. Moi, je pose simplement la question. Est-ce qu'on va vers un système de cartes? Ah ben, on y va avec les puces RFID, en tout cas. Alors, est-ce qu'on préfère y aller avec le système monétaire ou sans la monnaie? Voilà, ouais, parce que ils ont l'intention de mettre ce système-là, mais pour remplacer la monnaie... Pas pour la remplacer. Non, mais pour avoir que la monnaie... mais ça restera le système monétaire. Ah oui, ce sera encore plus horrible, en plus. Voilà. Ouais. Donc, voilà. La technologie, elle va avancer, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on veut que la technologie serve l'argent ou les citoyens? Voilà. Mais tout pourra fonctionner comme ça, tu penses? Par exemple, je sais pas, je donne un exemple, je veux aller faire un voyage en Australie, donc quoi, je vais à Air France, je leur dis, bon bah, je veux mon billet, je suis citoyen, hop, on me fait mon billet pour l'Australie. Et... C'est un peu comme ça, ouais. C'est le monde de rêve que tu es en train de décrire. En fait, après, non, en fait, il y a deux aspects à cette question-là. C'est d'une part la circulation des personnes, d'autre part la circulation des marchandises. Quelque part, le principe, c'est toujours le même, c'est comment est-ce qu'on fait. Parce que le système que je décris, on peut très bien le faire dans un pays comme la France. On peut le faire au niveau d'un pays. Donc la question, c'est effectivement, si un pays... Enfin, quand un pays ne dispose pas d'argent, comment est-ce qu'il fait ses échanges internationaux? Parce qu'eux, ils vont vouloir de l'argent. Par exemple, si j'importe mes biens de Chine, les Chinois, ils vont me dire, bah, t'es bien gentil avec tes cartes de citoyen. Cela dit, les biens de Chine, le jour où il n'y aura plus d'argent dans ce système-là... Ouais. On n'aura plus besoin de délocaliser les usines en Chine. Hein. On sera moins cher en France qu'en Chine. Hein. Dans l'absolu. Ouais. Donc parce que on n'envoie pas les usines en Chine. Limite quoi, ils vont mettre par philanthrope ici pour faire travailler les Chinois. Hein, par philanthropie. Ils vont concurrencer les Chinois, non, ce serait énorme. C'est exactement ça. Mais bon, pour en revenir à la question. Donc il y a deux aspects. Donc, comment est-ce qu'un système qui fonctionne sans monnaie peut échanger avec le reste du monde? Alors, le mieux, c'est de commencer, en fait, tu es parti sur la question de l'humain. Il y a des réponses. Mais après, le problème, c'est que ça dépend après de conventions internationales. Tu vois, donc, je ne peux pas te dire les conventions qui sont adoptées, mais sur le principe, par exemple, des marchandises. Sur la question des marchandises. On oublie que l'argent, parce que le raisonnement, c'est toujours l'argent, ça sert à acheter. Donc si on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter. Bon, sauf que l'argent, pour que ça permette d'acheter, il faut d'abord le gagner. Oui. En fait, il est là le point. Comment est-ce qu'un pays peut acheter? Parce que là, on est dans un système qui va fonctionner en tant que système. La société va fonctionner en tant que société. Là, aujourd'hui, c'est chacun dans son côté, de son côté. Là, c'est une société. Quoi. Donc elle se pose le problème globalement. Et donc, comment est-ce qu'une société qui fonctionne sans argent peut acheter des produits à l'étranger? Parce que d'ailleurs, la question se pose aussi dans l'autre sens. Pourquoi? Enfin, comment est-ce que les pays étrangers pourront acheter des produits de France. Made in France? Mais c'est une société où tout le monde travaille, parce que là, il y a plus de chômage. Hein. Forcément. D'ailleurs, le problème, c'est qu'effectivement, tout est mêlé, il faudrait partir dans tous les sens en même temps. Mais deux secondes sur la question du chômage. Imaginez que demain, tout le monde ait un pouvoir d'achat élevé. Alors, imaginez que dans le contexte actuel, c'est une utopie, mais c'est pour se faire une idée, que demain tout le monde ait, 5 000 euros par mois. Il n'y a plus de chômage. Hein. Il n'y a plus de chômage. Aujourd'hui, quand on fait des relances, on leur donne, allez, généreusement, 1%. Quoi. Bon, si demain on leur met 300%, c'est sûr, il n'y a plus de chômage. Pourquoi? Parce que la demande est telle que ça suscite de l'offre de partout. Si vous pouvez aller au cinéma, au restaurant, acheter une voiture, faire ci et faire ça, de l'autre côté, il faut qu'il y ait des gens qui le produisent. Et pour qu'il y ait des gens qui le produisent, il faut que des gens travaillent. Donc chômage terminé.
Là, c'est un système dans lequel il n'y a pas d'argent. Donc c'est pour un achat, en théorie, illimité. En plus, on pourrait travailler moins, en plus, je veux pas dire. Bien sûr. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, moi j'étais contre la loi des 35 heures. Parce que c'est... on doit travailler moins si ça a un sens. Mais là, c'est soi-disant pour partager le travail. Oui. Partager le travail et les revenus, au passage. Hein, parce que les salaires ont été gelés pendant 10 ans. Quoi. Bon. Mais donc c'est un système, il peut pas y avoir de chômage. La demande étant infiniment supérieure à l'offre, l'offre tend forcément à augmenter, et quand elle arrive à son maximum, c'est qu'il y a plein d'emplois. Et comme la demande est toujours supérieure, ben on reste en plein emploi. Ce qui n'est absolument pas possible aujourd'hui. Donc c'est une société qui produit. Si elle produit, elle peut exporter. Si elle exporte dans des pays monétaires, ben elle vend ses produits. Si elle vend ses produits, elle a un budget. Et si elle a un budget, ben elle peut acheter les produits des autres. Alors évidemment, il faut mettre en place des institutions, etc. Mais c'est c'est ce que font les gens tous les jours. Pour bien illustrer, donc par exemple, je sais pas, nous on produit des parfums, par exemple les Français, là, on produit des parfums. On vend donc nos parfums à des Chinois qui, eux, nous paieront donc en monnaie. Et donc, nous, avec cette monnaie, on pourra évidemment acheter avec d'autres pays qui pratiquent encore le monétaire, par exemple. Bien sûr. Ouais. J'ai même imaginé que cette société-là puisse créer une monnaie. Créer une monnaie, non pas pour qu'elle circule à l'intérieur, mais une monnaie pour les échanges internationaux. Une monnaie qui serait donc gagée sur sa production. Ce serait une société qui sera à l'abri des crises financières. Imaginez la puissance de cette monnaie. Le paradoxe, ce serait donc que c'est un système sans monnaie qui aurait la monnaie la plus forte du monde. Il ne faut surtout pas... En tout cas, on peut se baser déjà sur la première solution. Parce que sur les échanges internationaux, pour l'heure actuelle, c'est le dollar qui maîtrise, bon, pour le moment, voilà, qui est le centre. Ça voudrait dire que aussi, il ne faudrait pas qu'il y ait un pays qui s'empare de cette monnaie internationale. Parce qu'on non, sait mais ça, c'est ce que j'ai dit. C'est une solution que j'ai envisagée. Ouais. Mais on peut déjà fonctionner simplement avec la monnaie des autres. Hein. La monnaie des autres, ça suffirait. Ouais. Là, on est en train de poser une base. Après, sur le long terme, d'ailleurs, à court terme, moi, je pense que si la France passait à ce système-là, dans les 10 ans, toute l'Europe y passe. Hein. Et là, pour le coup, on pourrait faire une vraie Europe. Ce qu'on me dit. Ça, d'ailleurs, c'est marrant, on pourrait faire la vraie Europe. Parce que là, on est un peu dans la question européenne. Parce qu'on me dit, comment dire, pour acheter, matière première, oui, c'est toujours le même. C'est le même principe. C'est le même principe, c'est-à-dire on irait chercher de l'argent via ce qu'on irait, puis on achèterait nos matières premières D'ailleurs, je l'ai dit, les matières premières, même aujourd'hui, ça fonctionne un peu comme ça, il me semble, il y a du troc entre pays. Mais comment on évite on peut très bien, non mais par exemple, excuse-moi, on peut très bien demander l'importation de matières premières, l'échange de produits finis, qui sera en plus de qualité cette fois-ci. Hein. C'est du made in France, avec toute la dernière technologie, etc. Donc, on trouvera toujours des terrains d'entente. Un pays qui produit et qui n'a pas de chômage, il trouvera toujours à s'entendre avec ses voisins. Parce que oui, est-ce qu'il n'y aura pas un risque aussi de dérapage au niveau de la France elle-même où des gens ils profiteraient de ce système pour s'enrichir eux-mêmes à l'étranger en allant chercher les produits dans les magasins, les revendant ailleurs. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi s'enrichir? Ça n'a aucun sens. Ouais, parce que la monnaie serait inutilisable en France, du coup. Bah, ils vivraient sur les frontières, quoi, peut-être. Je vais dévaliser un magasin français, puis je vais tout revendre en Suisse, mais réfugié pour pas que en Suisse. Après, ça dépend aussi de... Ouais, en même temps, si le pays est étranger... Non mais déjà, tu peux avoir des lois en France qui l'interdisent, hein. Déjà, d'une part. Ouais. Le mec se fait gauler, terminer, le plus citoyen, il est tout perdu. Hein. Parce que là, dans ce système-là, t'es pas citoyen, t'es plus rien, quoi. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Tu as le droit d'avoir un lopin de terre pour cultiver tes carottes. Mais je suis pas sûr que le mec, entre être citoyen et cultiver ses carottes tout seul dans son coin, oui, parce que citoyen, c'est un statut prêt. Alors on peut perdre aussi, tu dis, ce statut. Est-ce qu'on peut le perdre aussi de façon pénale Oui, oui. Bah, évidemment. D'ailleurs, c'est d'où l'absurdité du débat qu'on peut avoir aujourd'hui sur les détenus. Un détenu n'est plus citoyen. Et évidemment, il n'a pas le droit de vote. On ne peut pas être citoyen quand on est privé des droits du citoyen, par définition. Parce des droits et des devoirs. Quand on est en prison, les devoirs, on ne les remplit pas trop. Quoi. Parce que alors, justement, les devoirs du citoyen, parce que ça, c'est la notion très importante, les devoirs, donc pour toi, c'est d'assurer donc un minimum de temps à la collectivité, c'est ça c'est alors, un, alors, alors, comment ça se définit je dis, devoirs, ouais. Déjà, le premier devoir du citoyen, en théorie, c'est de défendre la cité. Parce que l'origine de la société, c'est l'instinct de conservation. C'est, on est en société pour garantir notre survie. Mm-hmm. Bon, après, quand une société est importante,
elle a besoin de, elle a pas besoin de garantir sa survie tous les jours. Ouais. Donc c'est un devoir qu'on remplit qu'occasionnellement. Donc le premier devoir au quotidien, c'est de participer à la vie de la cité. Je dis bien participer, ça ne veut pas dire travailler. Le travail est une forme de participation. C'est pour ça que enfin, participer, c'est beaucoup plus large. Pour ça, tout à l'heure, je parlais par exemple des femmes au foyer. C'est pas femme au foyer toute seule avec son chat. Hein. C'est femme au foyer avec des enfants, avec... certaines... Après, c'est des lois. C'est des... Certaines... Dans certaines conditions, on a le droit de rester au foyer quand on a un conjoint. Quand... Enfin, après, c'est c'est les lois de ce système-là. Il faudra tout redéfinir, toutes les lois après quand même. Ah ben, enfin, pour le coup. Ouais. Bah, en même temps, si on veut rien définir, si ouais. on préfère rester dans ce système-là, tant mieux. Enfin, ouais. On peut choisir. Hein. Enfin, ce système-là, moi, pour moi, il va dans le mur. Donc, Mais par exemple, un retraité. Mm-hmm. Bah, que se passe-t-il pour un retraité dans ce système? Il reste citoyen. Il est retraité parce que la loi lui permet de ne pas travailler à partir d'un certain temps. Enfin, à partir de. Après avoir passé tant d'années à travailler. Bon, bah, s'il profite de ce droit, il est retraité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est toujours citoyen. Donc il n'a pas cotisé, puisqu'il n'a pas d'argent. Et en tant que citoyen, il a toujours accès au marché. Et il a le même droit que quand il était actif. C'est le même droit. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Quoi. Je ne parle même pas des veuves, etc. En plus, c'est une société où, alors, j'ai envie de dire, le superflu disparaîtrait, alors, hein, tu crois pas? Parce que finalement, tous les produits de luxe, tout ça, tout ce qui est un peu superflu, superficiel, ça n'a pas trop d'intérêt dans une société comme celle-là. Bah, pourquoi? Bah, puisque tout. Bah, je sais pas. Sinon, ils vont être en rupture de stock alors. Bah, tout le monde va aller acheter. Je sais pas, mon parfum, j'irai l'acheter chez Lagerfeld plutôt que chez Monoprix. Enfin, puisque de toute façon, il n'y a plus d'acheter. Donc, j'irai avec ma carte de citoyen. Ce sera la même chose pour tout. Ce sera la même chose pour tout. Mais on ne produira plus pour fournir Franprix. On ne produira plus pour fournir Fauchon. On ne fera plus des voitures de merde, parce que pour que les gens... Parce qu'en fait, aujourd'hui, on tout sera bien, oui, ben c'est ça, c'est ça. Merde, ça ouais. Les gens peuvent les acheter, mais si demain, les gens peuvent acheter mieux, ils vont acheter mieux. Mais c'est quoi le problème que les gens achètent mieux? C'est quoi le problème que demain, les gens achètent de la bouffe bio, plutôt que de la bouffe produite par Monsanto? Moi, je vois pas là un problème, en fait. D'ailleurs, en parlant de Monsanto, qu'est-ce qui fait que la puissance de Monsanto... Mais c'est un système... Alors aussi, bon, quand j'y pense comme ça à la volée, je me dis c'est un système qui est fait pour favoriser quand même la petite production plutôt que la grosse production dans l'absolu. Parce que la grosse production, tu me dis, ouais, les entreprises vont être reprises par les citoyens. Mais les grandes entreprises, il y a peu de chance, non, tu veux, pourquoi? Non, qu'elles soient reprises par les citoyens intégralement. Qu'est-ce que ça veut dire après? Non mais une entreprise est portée... Il faut comprendre une chose. Dans ce système-là, les entreprises ne sont pas nationalisées. Elles ont un but public et elles sont gérées de manière privée. Pourquoi? Parce qu'elles ont un devoir à remplir. Donc on ne peut pas exiger quelque chose de la part de quelqu'un si on ne lui laisse pas de responsabilité. D'accord? Donc elles sont gérées de manière privée, mais avec un but public. Après, il y a des gens qui peuvent avoir envie de monter des entreprises. Ah mais toutes les entreprises qui sont extrêmement dépendantes des importations extérieure. Eh bien. Il faut qu'elle possède de l'argent alors pour... Non parce que ça marchera pas comme ça. Ça passe. Après, c'est des institutions en fait. Elles commandent via le biais des institutions ou elles commandent directement et puis c'est les institutions qui payent. Après, c'est un système à mettre en œuvre. Mais enfin, il n'y a rien d'insurmontable. À partir du moment où on a compris comment se passer de la monnaie et comment anéantir l'argent, tout le reste, c'est des problèmes à deux balles. Mais après, c'est des questions qu'on ne peut pas forcément résoudre, nous, aujourd'hui. Nous, il faut simplement comprendre le principe. Après, les citoyens, en leur temps, adopteront les lois qu'ils voudront. Les solutions qui se présenteront à eux. D'ailleurs, nous, on peut imaginer des problèmes qui peut-être ne se poseront pas, et inversement, les gens auront des solutions dont on n'imagine même pas qu'elles existent. Tu vois, donc, il ne faut pas forcément aller trop loin. On me dit comment ton système, il peut gérer la rareté. Puis on me dit, par exemple, le gars qui veut la table de Picasso chez lui, bon... Mais comment la rareté, elle est gérée quand le système n'est pas en mesure de fournir exactement à tout le monde la même chose? Je ne sais pas, il parle de quoi là? Non, il a donné un exemple un peu troll, il se dit oui, je veux la table, imaginons que je veux une toile de Picasso chez moi. Voilà. Ça, je reprends ça. Ouais. Déjà, elle appartient à quelqu'un, ce sera lui de voir ce qu'il en fait. Hein. Mais bon, face aux difficultés qui se présentent devant nous à l'avenir,
La table de Picasso, on s'en fout un peu quand même. Ouais. Non, mais, non, c'est un con. Non, mais... Je dis ça parce qu'en fait, beaucoup de gens posent ce genre de questions. C'est, et comment on fera pour jouer au loto? Bon, franchement, on s'en fout. Alors, on me demande, oui, effectivement, ta société combinée aux théories d'Étienne Chouard, c'est le paradis. Qu'est-ce que tu penses d'Étienne Chouard, d'ailleurs? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, enfin, même moi, j'ai l'impression que ça se complète un peu. En fait, ce que dit Étienne Chouard est déjà dans mon bouquin. D'accord. Alors moi j'ai écrit Étienne Chouard d'ailleurs à ce jour je crois qu'il n'a pas sorti de bouquin encore. Non. Et en fait dès que j'ai imaginé, enfin j'ai mis le doigt sur le principe, j'ai conçu justement un système politique qui ressemble beaucoup à ce. Enfin qui recourt, enfin dans lequel on trouve le principe du tirage au sort. D'accord. Ce qui est quand même le cœur en fait, de la. Du système d'Étienne Chouard. Du discours d'Étienne Chouard. Je peux parler un petit peu des institutions politiques qui ne sont qu'une conséquence en fait. Je ne dis pas que c'est ce qui se fera. Je dis que si on adopte le système d'échange qui repose sur la carte civique que je propose, normalement on devrait avoir un système politique qui ressemble à ce que je vais décrire. Alors déjà, avant de. Par rapport à Étienne Chouard, lui il propose que les citoyens soient tirés au sort et rédigent eux-mêmes la Constitution. Mmh. En fait, il veut que le système soit plus démocratique, etc. Moi, ce que je réponds à Étienne Chouard, c'est que le système n'est pas démocratique parce qu'il est monétaire. Dans un système monétaire, on revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a forcément des riches et des pauvres. Des riches qui ont, par définition, le pouvoir économique et qui, indirectement ou directement, ont le pouvoir politique. Et donc, la Constitution, telle qu'on l'a aujourd'hui, découle de ce système-là. C'est pas la cause de la Constitution, c'est le système qui est la cause. Bon. Alors qu'inversement, avec le système que je propose, justement, il n'y a plus de riches. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens de pouvoir, mais c'est plus un pouvoir qui repose sur l'argent. Et c'est la raison inverse pour laquelle, en fait, aujourd'hui, on est en oligarchie. C'est-à-dire que, comme les citoyens, on est en oligarchie parce que tous les citoyens n'ont pas le même pouvoir politique. Si demain tout le monde a le même pouvoir politique, par la force des choses, on a forcément une démocratie. Alors ça veut dire quoi une démocratie? Une démocratie, c'est un système dans lequel les lois sont ou faites ou au moins ratifiées par le peuple. Mmh. Ça c'est le principe. Sinon ce sont des diktats. Les lois ne sont que des diktats. Et d'ailleurs, on est dans un système, on a vu dernièrement ce qui s'est passé par exemple avec la loi sur le mariage homosexuel, ça a été imposé de force. Ça veut dire, et on nous dit, ah mais c'est la démocratie qui est parlée. Non, c'est Taubira qui a parlé, c'est pas la démocratie. Bon. Une démocratie, donc, c'est un système dans lequel, et d'ailleurs c'était c'est une idée qu'on retrouve déjà à l'époque de la Révolution, dans la Constitution de 93. Eux, ils avaient déjà dit ça, hein, que la loi, et Rousseau l'avait dit, une loi n'est loi que si elle est validée par le peuple. Sinon, ce n'est qu'un projet. Et donc dans mon système, on a évidemment, évidemment ça pourrait ne pas être le cas, mais il y a un président de la République. Il y a une assemblée de députés, comme aujourd'hui élus, et face à cette assemblée, il y a une assemblée, en théorie, donc les lois faites par l'Assemblée nationale devraient être toutes soumises à référendum. Donc, on se doute bien qu'on ne peut pas faire des référendums toutes les 5 minutes. Et donc, la seule institution qui peut représenter le plus fidèlement le peuple, c'est une assemblée de citoyens, de citoyens nationaux. Alors, ça, c'est encore un autre sujet. Dans mon système, il y a des citoyens et des citoyens nationaux. Ah. Alors, on en parlera. Ouais. Donc, des citoyens tirés au sort. Et soit la loi est soumise directement au peuple parce que c'est une grande loi, comme par exemple le mariage qui remet en cause la base même de la société, mais ça ne fait pas partie de la Constitution. Bon. Ou des lois plus secondaires qui peuvent être directement validées par cette assemblée. Et je propose, moi, que les lois soient validées si j'appelle ça le tribunal de l'opinion publique, si le tribunal de l'opinion publique, donc, les valide aux deux tiers. Si deux tiers de ses membres votent pour cette loi, sinon on les retoque. Donc, cette assemblée n'est pas le peuple, mais on peut quand même admettre que si 66% des gens dans cette assemblée sont pour, on atteindrait au moins la majorité au niveau du peuple en général. Donc,
C'est, donc, c'est, cette idée-là était déjà dans mon bouquin. D'accord. Enfin, les idées dont parle Étienne Chouard sont déjà dans mon bouquin. Le problème, c'est que Étienne Chouard lui parle de faire une constitution, mais il ne nous dit pas pourquoi faire. Non, il dit que c'est aux gens de la faire. Non. Dans quel but? Ah. Parce que moi, je dis, on commence par renverser l'argent, instaurer l'égalité. Lui, est-ce que ça fait partie du but? Parce que si elle est arrivée, c'est pour cautionner le système actuel. D'abord, je ne suis même pas sûr qu'on puisse arriver à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire à faire une constitution, tirer au sort, etc. D'ailleurs, il s'est passé un truc un peu semblable en Islande, je crois. Une constitution a été, je crois que c'est en Islande, non ? Oui, en Islande. Qui a été tirée au sort et elle a été retoquée par le Parlement. Oui. Ben oui, tant que les révolutionnaires n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir. Tant que les révolutionnaires n'ont pas le pouvoir, ils laissent le pouvoir aux autres. Donc en fait, on ne peut arriver à ce système-là que si d'abord on fait la révolution. Parce que je pense qu'effectivement, ce que je dis, c'est-à-dire renverser l'argent, c'est une révolution. Quoi. Ah oui, c'est moi qu'on puisse dire. J'avais jamais entendu aussi révolutionnaire, si tu veux. Et de la façon dont je le propose. Ouais. Parce que des gens, c'est une idée qui est quand même déjà dans l'air du temps, hein, de s'attaquer à l'argent, à la monnaie. Oui, c'est vrai. Mais c'est de vrai. La façon ouais. dont je le fais, je ne l'ai pas lu nul. Je n'ai rien trouvé de semblable. J'ai l'impression que tu vas encore plus loin que toutes les logiques pour le moment, justement, qui étaient, on avait vu la logique d'Étienne Chouard, qui était la logique, on va dire, qui prenait le renversement total du système politique. Et toi, tu dis, mais non, il faut aller encore plus loin, c'est l'argent qu'il faut renverser, et que le système politique va naître de ce renversement de l'argent. En fait, on est dans une... On croit que la démocratie va apporter l'égalité. C'est ça l'idée de faire des élections, etc. On croit que la démocratie va apporter l'égalité. En fait, c'est le contraire. C'est l'égalité qui va apporter la démocratie. Parce que si on n'est pas dans l'égalité, on n'est pas en démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie. Donc la démocratie ne peut pas apporter l'égalité. Parce que déjà, c'est une vue de l'esprit, la démocratie. Oui, parce que... Et d'ailleurs, quand on est dans l'inégalité, on ne sait même pas ce qu'est l'égalité. Les gens ne savent pas. Tout à l'heure, on parlait de Robespierre. Robespierre avait une conception dénaturée, et pourtant, c'était vraiment le champion de l'égalité. Et bien, même lui avait une conception dénaturée de l'égalité. Donc, on ne peut pas se battre pour quelque chose que l'on ne conçoit pas. Alors, beaucoup, beaucoup de réactions, évidemment. On me dit, voilà... Alors, justement, il y a quelqu'un qui parle justement du projet Vénus. Oui, le projet Vénus, voilà. Alors, il y a le projet Vénus, c'est un équivalent dans le même genre. Il y a le projet Zygast. Oui, Zygast. Il y en a d'autres qui parlent de système antimonétiste. Il y en a d'autres qui parlent de désargence. Tout ça, c'est des systèmes qui se ressemblent. La décroissance aussi, j'entends beaucoup parler. C'est encore différent. Okay. En fait, c'est des gens qui, effectivement, ont compris, ont senti que l'argent, alors l'argent, cette fois-ci avec une apostrophe, est au cœur du problème. Et leur solution, c'est de supprimer la monnaie. Et puis, après, tout ira pour le mieux. Voilà, c'est par l'opération du Saint-Esprit, tout est résolu. Je ne suis pas sûr que... d'une part, il y a ça. En plus, c'est souvent des gens qui sont universalistes. Tu vois, c'est anarcho-gauchiste, tu vois, et ça se fait au niveau de la planète. Ouais. Et le monde des bisounours, quoi. Tout va marcher parce que les gens ont une conscience, etc. Mais alors déjà, ils n'ont déjà pas analysé ce qu'était réellement l'argent. Ouais, d'accord. Ouais. Si, en fait, si on ne remplace pas la monnaie par quelque chose qui anéantit l'argent, on reviendra à la monnaie. Parce qu'on n'a pas, en fait, anéanti le cœur de la logique. La logique, c'est donc la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour changer. Si on n'a pas identifié ça, et qu'on ne met pas en place un mode d'échange qui supprime cette logique-là, en fait, on reviendra à ça. Quoi. Et alors, d'une part, il y a ça. D'autre part, après, il y a le fait que ce sont des gens qui sont universalistes, ils ne conçoivent pas la nation, ils partent directement dans des échelles qui ne tiennent pas la route. En fait, ce sont des mondialistes. C'est le pendant des mondialistes. Donc, c'est des mondialistes, c'est des capitalistes. Hein. Donc, c'est... Alors, ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas de bonnes idées par-ci, par-là. Mais dans le projet global, ça, moi, je ne tiens pas la route. Quoi. Parce que, alors, justement, est-ce que dans ton système, ceux qui ont le plus à perdre, c'est les riches, en fait, clairement.
C'est un système. C'est qui 100%. A... Bah, tu crois... Franchement, parce que moi, si j'avais 150 millions d'euros, je me dirais, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il me raconte, je sais. Oui, mais ça, c'est en théorie. Déjà, tu peux pas les dépenser, pour commencer. Ouais. Et puis, on est aujourd'hui. Moi, j'ai pas dit que la révolution, c'était demain. Le système, il va, à mon sens, le système va s'effondrer tout seul. Quoi. D'ici. Enfin, moi, j'ai toujours prévu, depuis que j'ai commencé à écrire, je dis autour de 2030. Mm-hmm. Donc, c'est, on a 20 ans. Quoi. Ben, voilà. Ben, peut-être qu'à ce moment-là, les gens se diront, il faut peut-être passer à autre chose avant qu'on nous zigouille ou. J'en sais rien, moi, tu vois. De toute manière, il y a toujours quelqu'un qui a intérêt à conserver le système. Oui. Mais ben, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de révolution. C'est bien. Donc, bien, c'est vrai. Est-ce que les 99% de la population vont se soucier du 1% qui a intérêt à conserver le système? En tout cas, est-ce qu'ils vont s'en soucier longtemps? Bah, si vous... voilà. Est-ce que c'est la préoccupation de quelqu'un qui fait partie des 99%? Est-ce que c'est son rôle de s'inquiéter de l'intérêt du 1%? Une question, par exemple, pour la aussi avant la pause, là, justement, sur la propriété privée. Ouais. On conserve tout en l'état, comment ça se passe? C'est un système dans lequel vous pouvez accéder au marché. Par définition, vous en retirez des biens, qui sont donc votre propriété privée. Mais c'est comme aujourd'hui, en fait. Oui, mais la propriété privée, par exemple, pour une maison. Moi, par exemple, j'ai ma maison, je veux la vendre. Comment je fais ? Je peux plus la vendre, il n'y a plus d'argent. Alors comment je fais ? C'est une forme d'illusion, en fait, aujourd'hui. Si demain, le TGE veut passer sur ta maison, elle n'est plus à toi, ta maison. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, il y a l'argent qui fait qu'il y a une espèce d'illusion, tu crois que tu es propriétaire, en réalité le sol appartient à la nation. Mais alors, qu'est-ce que je fais, moi, propriétaire, avec ma maison que je veux vendre? Comment ça se passe? Bon, il y a différentes façons de faire. Ça c'est pareil, c'est encore des institutions, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui la prendra à ta maison. Hein. Bah oui, ça me fait peur, mais moi je vais me retrouver. C'est toi qui veux la saisir. Oui. Mais après, c'est un système qui aura des règles. Donc, après, on va pas forcément rentrer dans le détail de toutes ces règles, ce sera fastidieux. Mais t'inquiète pas, ce sera faisable. Ce sera faisable, parce que non, mais c'est une question importante, parce que la propriété privée, ça a été au centre de toutes les révolutions. Quoi. Après, De toute manière, on ne sera pas propriétaire au sens propre. Tu seras propriétaire, par exemple, aux yeux de tes concitoyens, mais jamais aux yeux de la cité. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui, en vérité. Tu vois? Aujourd'hui, comme je te disais, si demain on veut t'exproprier pour faire une maison, une route, un train, une roto, on t'exproprie. Alors on t'indemnise, parce qu'on est dans un système monétaire. Mais bon, dans un système où il n'y a pas d'argent, ça n'a pas de sens de t'indemniser, on peut éventuellement te proposer autre chose, mais même par tes propres moyens, tu pourras te reloger, etc. Ça, tu vois, ça n'a plus de sens. Je prends un exemple. Demain, tu as un accident de voiture. Ouais. Aujourd'hui, il y a des assurances. Ben, si tu n'es pas mort, dans mon système, parce que dans un accident, tu peux mourir, mais si tu n'es pas mort, tu n'as besoin de personne. Ou tu récupères une voiture, ou tu vas chez ton garagiste, tu te fais réparer, ça ne te coûte rien. C'est sûr qu'il y a une galère, c'est, pour le coup. Ouais, alors moi, en ce moment, j'ai une fuite chez moi. Bon, ça m'emmerde un peu d'appeler un plombier qui va me prendre je ne sais combien. Bah, demain, j'ai pas de problème d'argent, j'appelle le plombier dans les 5 minutes qui suivent. Ouais. Mais tout le monde appellera le plombier, il n'y aura plus assez de plombiers aussi. Bah, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Parce qu'on aura tous besoin. Mais déjà, il y a 5 millions de chômeurs, voire plus. Ouais. Mais il faut s'imaginer que tout le monde bosse là. Non seulement tout le monde bosse, mais tous les gens qui aujourd'hui bossent dans la finance à brasser du vent, ils font autre chose. Oui. Et quelque chose d'utile. Oui, parce que vous êtes content, c'est eux dont je te parlais, les gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui font pas grand chose. Non, moi je parlais pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent, moi je parle des fonctionnaires, des gens qui travaillent dans les assurances, des gens qui travaillent dans les banques, etc. Bah, il y aura des gens, des cols blancs, mais il y en aura beaucoup moins en tout cas dans ce domaine-là. Quoi. Il n'y en aura plus dans ce domaine-là. Quoi. Donc ce qui va être le plus dur, c'est en fait, c'est d'établir quelle est la valeur travail des gens. Quoi. La valeur travail. Bah, comment tu vas reconnaître celui mais qui... Comment on va accéder à ce droit de citoyenneté? C'est ça, moi, que je... Alors en plus, tu sais quoi, on fait la pause, on en retard. Juste après, t'expliqueras la nuance avec les nationaux, les citoyens nationaux, les citoyens... Bon, c'est très important. On revient, si la régie est prête, bien sûr, mais la régie, elle est toujours prête. Voilà, donc on fait la pause, on revient juste après, okay. À vous la régie. Un petit cigare. Voilà, donc de retour après cette petite intermède. Et donc, il y a plusieurs questions sur le chat. Alors, il y a une question qu'on s'est dit qu'on allait y répondre parce que... D'abord, il y a plus que plusieurs, il y en a vraiment beaucoup. Oui, il y en a plein. Donc, oui, évidemment, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Mais au moins les trois quarts des questions qui sont posées, j'y réponds dans mes bouquins.
Donc déjà dans le réquisitoire, j'y réponds au moins sous forme de principe. Et dans le civisme, j'y réponds en pratique. Donc, énormément de questions pratiques. Alors justement, il y a une question, on nous dit, mais pourquoi cette date de 2030? Pourquoi t'avances, tu dis à peu près vers 2030? En fait, j'ai fait un schéma. Je pars d'un postulat. Je pars du principe, de l'idée que l'évolution technologique amène par contre-coup une évolution politique, donc une évolution au niveau des droits. Et j'ai fait un schéma qui part donc de 1800, 1700 jusqu'à 2100. Et on voit que l'évolution technologique qu'il a est irréfutable, fait une forme d'exponentielle, et que l'évolution des droits, c'est pareil, ça part de plus bas, mais suit la même courbe, la même courbe. Mais évidemment, on n'a pas le côté exponentiel. On n'est pas encore arrivé au côté exponentiel. Et la 2030, en fait, ce serait la tangente de la courbe des droits. De la manière que la tangente de la courbe de l'évolution technique, c'est 1950. Là, c'est un truc fait à main levée, hein. C'est au ressenti. Hein. De la même manière, la tangente pour la courbe des droits tombe, de quelque manière que je la fasse, tombe autour de 2030. Alors je ne dis pas que c'est en 2030 que ça va se faire. C'est plus 5, moins 5, plus 10, moins 10, j'en sais rien. Quoi. Mais c'est dans ces eaux-là. C'est pas en 2100. Quoi. C'est déjà. En fait, on voit bien que le différentiel est déjà énorme. Autant c'est des courbes qui sont quasiment parallèles depuis toujours, autant là, depuis les années 50, à partir du moment où la courbe du progrès technique. Alors, progrès technique appliqué, hein. C'est les inventions dans le concret des gens, dans la vie courante, pour qu'elles aient un effet, effectivement, sur la vie politique. Mais depuis les années 50, l'écart ne fait que se creuser. Et ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Et donc, tôt ou tard, en fait, elle ne fait que se creuser, mais les courbes, pourtant, sont parallèles. Ce qui veut dire que tôt ou tard, la courbe des droits va rattraper la courbe de l'évolution technologique, et il va y avoir une tangente et qui tombe dans les années 30. Donc c'est pas une prédiction à la Nostradamus, hein, c'est j'ai fait un schéma et voilà, j'en arrive là. Et cette date 2030, je me suis aperçu après coup qu'elle revient souvent en fait, chez les économistes, chez notamment évidemment chez les économistes, qui en fait au-delà ne comprennent pas ne voient pas ce qui peut y arriver, ce qui peut arriver quoi. J'ai vu aussi un schéma du je sais plus quoi, le club de Rome ou je sais pas quoi. Ouais, club de Rome. Et il y a un schéma comme ça. Alors eux, ils ont fait le même genre de schéma avec différentes courbes d'évolution. Et leur idée, c'est pareil, il va y avoir une cassure en 2030. Ouais. C'est quelqu'un a posé une question intéressante. D'ailleurs, j'ai fait dernièrement une vidéo sur la décroissance, ouais. Et ça rejoint en fait ça. Quelqu'un disait, pour faire la révolution dont je parle, il faut qu'elle ait lieu avant que le système s'effondre. Avant que l'effondrement total. Je suis d'accord. Il faut se dépêcher. Sinon, la révolution n'aura pas lieu, c'est clair. Alors, est-ce que il y a une logique immanente, un projet pour l'humanité qui amènera à ça? Je l'espère. Est-ce que la force des choses nous amènera à ça? Je l'espère. Sinon, il n'y aura pas de révolution. Quoi. Sinon, ça va être retour au point de départ. Quoi. En plus, toi, tu penses vraiment que si... Allez, on part dans l'hypothèse où on arrive, imaginons en France, à imposer un système comme ça, sans argent, ça va faire tache d'huile en Europe. Est-ce que je le pense? Ouais. Ah oui. Mais clairement, en fait... technologiquement, en fait, la plupart des pays européens, aujourd'hui, on a élargi l'Europe. Bon, mais les pays d'Europe occidentale sont tous technologiquement capables de passer à ce système. Mm-hmm. Donc oui, il faut bien comprendre, si une révolution, c'est la rencontre de deux choses, c'est des circonstances et une idée. Donc elle n'aura lieu que s'il y a les circonstances. Ça ne veut pas dire un effondrement total, mais au moins un début d'effondrement qui fera que... les gens sont obligés se résoudront à passer à autre chose, et cette autre chose sera cette idée-là. Quoi.
De toute façon, sinon, il n'y a pas d'alternative. Hein. C'est ou on sort de l'argent pour l'égalité, ou on reste dedans. Quoi. Mais il n'y a pas. C'est ou l'argent ou l'égalité. Y a pas, on ne pourra jamais trouver l'égalité dans un système monétaire. En fait, ça, c'est vraiment Mais inversement, si on ne vise pas l'égalité, on reste dans le système monétaire. Tous les gens qui combattent, qui s'opposent à mes idées, en réalité, ne font que défendre le système actuel. Donc on ne peut pas être un révolutionnaire quand on défend le système actuel. Enfin, c'est, et même des gens qui se disent révolutionnaires, qui en réalité sont les cautions du système actuel. Quoi. Alors il y a une question que j'imagine aussi qu'on a dû te poser, mais quand même qui est intéressante. On me dit, est-ce que c'est pas la compétition qui motive l'innovation en entreprise et le fait que justement il y a une espèce de compétition mais positive de la recherche. Mais il y aura toujours compétition. Mon système, c'est un système libéral. C'est du libéralisme sans capitalisme. Ouais, ouais. Les entreprises sont en concurrence. Ouais. Ben, elles sont en concurrence, mais comment elles vont... Mais après, il y a des gens, c'est leur boulot de chercher, donc ils sont payés à chercher. Il y a des gens qui sont des génies par nature. L'argent, c'est pas l'argent qui fait réfléchir les hommes. C'est les hommes qui ont ça en eux, qui réfléchissent. La plupart des gens qui ont trouvé les plus grandes découvertes, ben souvent l'ont fait en étant eux-mêmes dans la pauvreté. C'est parce que c'est leur truc de chercher. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a plein d'inventeurs. Il y a des inventeurs inconnus qui n'ont pas forcément inventé les meilleures choses. Mais si demain tous ces gens-là avaient la possibilité de développer leurs inventions, mais le monde avancerait encore beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. J'en suis sûr de ça. Quoi. On me dit en plus que l'effondrement et le chaos généralisé, est-ce que ça ne sera pas un déclencheur justement pour une prise de conscience générale? Alors, je pense, ça dépend après ce qu'on entend par chaos. Mm-hmm. Est-ce que c'est l'effondrement du système monétaire? Et donc à court terme, moi je pense que le système que je conçois, même si l'idéal serait de préparer le terrain, donc un gouvernement élu ou autre arrive au pouvoir, prépare le terrain, parce que ça va quand même être... il faut préparer le terrain, quand je dis le terrain, c'est au niveau économique. Donc déjà mettre en place les cartes, fournir aux gens les cartes, adapter le système, préparer les entreprises à une forte demande, donc les encourager à commencer à augmenter leur production, etc. Mmh. Bon, c'est ça la préparation. Mais sur cette préparation-là, donc confronté à un effondrement monétaire, est-ce qu'on peut faire ça à l'arrache? Je pense que oui. Avec le postulat de ce système-là, on pourrait faire redémarrer la machine assez rapidement. Parce que l'effondrement monétaire, c'est virtuel. Quand l'effondrement est monétaire, rien ne s'effondre. C'est, tout est encore là. Le problème, c'est qu'avec le temps, oui, les choses se détériorent. Si l'effondrement monétaire, enfin si on n'a pas de solution en ce moment-là, voilà, là pour le coup, ça devient le chaos, tout part en décrépitude. Mais si on arrive à intervenir tout de suite, on peut éventuellement relancer la machine et faire notamment la révolution que je prône. Mais sinon c'est foutu. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'au moment où ça arrive, où ça arrivera, parce qu'en mon sens ça va arriver, d'ailleurs je vais parler de ça. Au moment où ça va arriver, il faut que les idées soient déjà dans l'air du temps. Mmh. Même si les gens n'y ont pas encore adhéré, il faut que ce soit dans l'air du temps. Bon. Et donc, l'effondrement économique. Moi je pense que le système est aujourd'hui confronté à une contradiction fondamentale. Alors ça, on va dire c'est un truc marxiste, etc. C'est pas du tout pour les mêmes raisons en fait. Je dis une chose, la monnaie repose sur la notion de valeur marchande. Oui. Cette notion de valeur marchande vient du troc. Le troc se pratique dans un contexte de production artisanale. Donc je dis que ce moyen d'échange, en fait, est adapté à un mode de production artisanale. Et on a conservé ce moyen d'échange, mais le mode de production, lui, a évolué. Parce qu'on est passé en mode industriel, on n'est plus du tout dans l'artisanat. Et en fait, la contradiction fondamentale vient de là. C'est-à-dire que on a un moyen d'échange qui, globalement, génère un pouvoir d'achat faible, de par le jeu des valeurs, etc. Mmh. Donc, quand la production est faible, c'est relativement adapté. Mais quand la production est forte, et que la demande reste globalement faible à cause des mécanismes de la monnaie, du coup, on se retrouve avec plus de production que de clients.
Et elle est là, en fait, la contradiction. C'est qu'en fait, depuis que l'industrialisation a commencé, on a cherché des astuces pour pallier cette contradiction. Et là, aujourd'hui, on arrive au bout du bout. Quoi. Alors, c'est quoi les... Je te pose la question, Anne. Un système clos produit plus qu'il ne peut absorber par lui-même. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il peut imaginer comme solution? Tout ce qui s'est produit depuis un siècle. La première chose, c'est trouver des marchés à l'extérieur. Ouais. Ça peut être, ça a été également... La colonisation, etc. Augmenter les salaires. Mais c'est... En fait, au bout d'un moment, ça tourne en rond, puisque par le jeu de la monnaie, ça va se réduire. Mais évidemment, le truc le plus important, c'est le crédit. Le crédit à la consommation. Pourquoi est-ce qu'on fait du crédit à la consommation? Parce que, en fait, à l'instant T, il n'y a pas assez de clients. Mais le crédit de la consommation, qu'est-ce que ça amène? Ça amène la création monétaire, mm-hmm. etc., etc. Et ça amène également la séparation entre ça amène à dissocier la monnaie d'une base réelle, qui a été l'étalon or. Pourquoi est-ce qu'on ne base plus la monnaie sur l'or? Mais justement pour faire de la création monétaire artificielle. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il n'y a pas assez de clients. Donc l'idée des fois de revenir à l'étalon or n'a pas de sens. D'ailleurs, même si on revenait à l'étalon or, on n'utiliserait pas l'or en tant que monnaie. On l'utiliserait aussi en tant que réserve. Ouais, bien sûr. Donc ça ne résoudrait pas le problème. Le problème, c'est qu'en fait, le système tel qu'il est, il ne peut pas fonctionner. Alors qu'inversement, dans mon système, la question ne se pose même plus. On produit plus, bah les gens peuvent consommer tout ce qui est produit. Mais le système actuel, lui, ne peut pas résoudre le problème. D'autant plus que, à mesure que les... Alors, au début, il y a quelques pays industrialisés. Donc, ils exportent. Mais quand tous les pays du monde sont industrialisés, ça n'a plus de sens. Oui, en fait, quand la terre entière est industrialisée, il faudrait une deuxième terre pour exporter. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc en fait, on est globalement dans une impasse. Et à un moment donné, il faudra quand même trouver une solution. Et il faudra quand même comprendre que le problème d'une crise financière, il vient forcément de l'argent. Je sais pas, moi. Parce qu'il y en a qui nous parlent. Ouais. D'un côté, alors, c'est les banques, d'autre côté, c'est la création monétaire, d'autre côté, c'est la spéculation. Mais vous remarquez pas que ça tourne quand même autour d'un dénominateur commun. Mm-hmm. C'est l'argent. Et à un moment donné, il faudra quand même regarder les choses en face. Parce qu'on nous dit aussi, est-ce que les gens, ils ont encore envie de faire des travaux pénibles comme occuper des métiers de caissière, tous les petits boulots de femmes de ménage, etc. Bah, ça se trouve, il n'y a peut-être plus de caissière. Hein. Oui, parce que là... D'abord, si demain, vous touchez 10 000 euros à faire caissière, vous trouvez que c'est pénible? Oui, en valeur. Bon, je prends un exemple que l'on puisse comprendre, mais ça relativise. Hein. Ouais. Encore une fois, c'est un système qui permettra d'apporter le meilleur à ses employés. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va pinailler sur les crayons, sur la machine à café. Dans ce système-là, les employés veulent une machine à café, ils ont une machine à café, dernier cri. C'est ce genre de questions qui ne se posent même pas. Quoi. Et tout ce qui sera fait, possible de faire pour améliorer le cadre du travail sera fait. Voilà, effectivement, ça se trouve, il n'y aura peut-être même plus effectivement de caisse. Donc, tu vois, mais il ne faut pas se poser ce genre de questions. Mm-hmm. Où on se bat pour les principes, et le principe, c'est que les citoyens doivent être égaux en devoir et en droit, où on défend l'argent. Voilà. Ben, à un moment donné, il faut choisir son camp. On ne peut pas passer son temps à se plaindre du système actuel, et en fait, le cautionner de mille manières. Ouais. On me demande justement, est-ce qu'il n'y aura pas un vide laissé par et que le pouvoir du contrôle de la monnaie ne va pas se déplacer par un contrôle du pouvoir des institutions d'échange, de ces institutions qui contrôlent les échanges. Finalement, il ne va pas se transformer ce pouvoir, quoi, en fait. C'est-à-dire, non, pas de risque. Non, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Non. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, il faut rappeler que ce sera un système par définition démocratique. Mm-hmm. Donc, en admettant même que certains puissent avoir
des tentations, ce sera un système démocratique. Les citoyens pourront pour intervenir. Enfin, c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas un système oligarchique. Ou, c'est toute la différence. Quoi. Et immédiatement, on nous dit, oui, est-ce qu'il n'y aura pas un problème fondamental sur le nombre d'humains sur Terre? Est-ce que la démographie ne va pas avoir son rôle à jouer dans ce monde? Moi, ce genre de questions, je réponds tout simplement. Et aujourd'hui, si on ne fait rien? Parce que le problème ne se posera pas. Donc, qu'est-ce que ça change? Ça se trouve, demain, il y a une guerre civile. Est-ce que, moi, je dis que le système, c'est, pendant 2000, c'est autour de 2030. Disons, en tout cas, avant 2050. Bon. Dans quelles conditions serons-nous? Moi, je ne fais pas de prédictions. Je ne cherche pas à résoudre non plus les problèmes qui seront ceux des citoyens. Comment on résout ci, comment on résout ça? Mais ce n'est pas à moi de le faire aujourd'hui. Moi, je pose des principes. Ou on les accepte, ou on les rejette. Mais c'est tout, quoi. Dans le bouquin, j'essaie quand même d'apporter des solutions, d'imaginer des solutions concrètes, mais ce ne sont que des spéculations. Peut-être que les citoyens, en leur temps, trouveront d'autres solutions. Mais l'idée, c'est, est-ce que l'égalité a les mêmes conséquences que l'inégalité? C'est ça la question. Je pense que non. Ouais, voilà. Alors, y a un peu les avocats du diable qui me disent, j'ai vu là, il y avait des réprobations, on me disait que l'argent n'était pas forcément le problème. Bon, il y en a qui pensent ça. Et j'ai vu aussi, il y en a qui me disaient, oui, on va passer de tapineuse à escort girl. Bah, c'est un travail comme un autre. Hein. C'est-à-dire, en gros, il dit on change un peu le truc, mais on garde le même paradigme, parce que les gens veulent, carrément, il y en a plein, ils veulent éliminer le travail. Ils disent, là, en fait, on garde quand même le paradigme du travail en échange, en fait, toi, c'est très important, les droits et les devoirs. Quoi. C'est la base. Bah, c'est-à-dire, c'est parce qu'on mais le problème, c'est que, est-ce que le mec qui dit ça, il veut se chauffer au bois et s'éclairer à la bougie? Et encore, il faudra qu'il le fasse lui-même. Je crois pas, hein. Donc après il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Mais de toute manière, ça n'a pas de sens. L'évolution tend vers ça. D'ailleurs, je parle d'évolution. La monnaie, c'est quelque chose qui a évolué. C'est parti d'objets concrets, voire des biens, des animaux, Et petit à petit, avec le temps, ça a évolué vers quelque chose de plus en plus virtuel. C'est passé au billet, maintenant c'est passé à la monnaie. Monnaie virtuelle, qui, elle, est manipulée par des cartes. En fait, à mon sens, on est en train d'assister à une transition entre deux moyens d'échange. D'une part, la monnaie, et l'apparition d'un autre moyen d'échange qui serait les cartes. Vous prenez la carte de crédit, vous supprimez la monnaie, qu'est-ce qui reste? Il reste la carte. Ouais. Et si la monnaie a évolué jusqu'à être virtuelle, ça veut dire qu'elle évolue. Alors, si elle évolue, elle va continuer à évoluer. Mais l'évolution de quelque chose qui est virtuel, c'est quoi? L'étape suivante? Bah, je sais pas. C'est la disparition. Disparaître, c'est ce que j'allais dire, c'est disparaître. Voilà, donc voilà. Moi, je pense que l'histoire ne va pas s'arrêter, que ça va continuer. C'est pareil que les gens qui... Quelqu'un disait tout à l'heure, mais c'est un système qui va permettre l'oppression. Ben, d'accord, mais le système monétaire fondé sur toute l'informatique, il ne va pas être oppressif, celui-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on interdit même aux paysans de replanter leurs graines, quoi. C'est un vrai loin quand même. C'est vrai. Et c'est cautionné par Bruxelles. Ouais. Démocratie de démocratie. Ouais. Donc là on y va. Le monde apocalyptique que les gens imaginent, on y va. Hein. Mais c'est pas mon système qui fait qu'on y va. C'est le système dans lequel on est aujourd'hui. C'est important de le préciser. Qu'est-ce que ça n'a pas déclenché une guerre, ouais, qu'entendez-vous par égalité? Voilà, on nous demande aussi. Alors, qu'est-ce que l'égalité? Déjà, il n'y a d'égalité qu'en droit. Enfin, qu'en devoir et en droit. Et il n'y a de devoir et de droit que dans l'égalité. Pour une raison simple. Il n'y a de devoir que s'il y a réciprocité en devoir. C'est-à-dire que je n'ai de devoir envers toi que si tu as de devoir envers moi. Or, c'est les devoirs que j'ai envers toi qui génèrent tes droits. Enfin, le devoir que j'ai envers toi génère un droit qui est la conséquence de ce devoir. Et comme tu remplis le même envers moi, c'est le même droit. D'où égalité en devoir et en droit.
sortie d'égalité, il n'y a ni devoir ni droit. Donc, mais par contre, l'égalité ne concerne que les devoirs et le fruit de ces devoirs. Ça ne va pas au-delà. C'est-à-dire que si le seul devoir qu'on a entre nous, c'est de se défendre, ben, le seul droit qu'on génère mutuellement pour nous, c'est la sécurité. C'est tout. C'est pas manger, c'est pas dormir, c'est pas... C'est ça. C'est ça l'égalité. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Et que faites-vous de la défense de la nature? Alors, on dirait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de la défense de la nature que... Ben, réfléchissez deux minutes. Pourquoi est-ce qu'on détruit la nature? Si ce n'est pour le profit. Dans un système dans lequel il n'y a pas d'argent, on peut déjà... on raisonne forcément différemment. Déjà, on peut éviter de... Une entreprise peut avoir des normes plus strictes de non-pollution, etc. Ça ne lui coûte pas plus d'argent. Donc elle peut mettre en œuvre ces normes-là, etc. etc. Voilà, on me dit, c'est vrai, comment dire, est-ce que... voilà, on me dit, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait que l'uniformité des biens ne peut être répartie sur un standard commun? C'est-à-dire que les gens, ils ont du mal à capter parce que, voilà, il reprend l'exemple de la caissière à 10 000 euros. Et... Oui, parce qu'il n'y a plus de valeur, en fait, faut bien leur... c'est ça que les gens ne comprennent pas, il n'y a plus du tout de monnaie. Il n'y a plus de notion de valeur de la monnaie. Non. Ça a disparu. Je n'ai pas compris la question. En fait. Parce qu'il me dit, si la caissière a payé 10 000 euros par mois, combien vaut la machine à café dernier cri? Non, mais c'était un exemple pour que les gens comprennent le pouvoir d'achat qu'auront les gens dans un système non monétaire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils auront 10 000 euros, il n'y a pas de monnaie. Ouais, voilà. C'est pour dire qu'ils auront un pouvoir d'achat important. Ah oui, c'est vrai que, tu vois, il y en a qui ont la même question que moi, il me dit, mais est-ce que c'est pas les riches qui font le plus mal à réagir finalement à tes analyses? Parce que on dit immédiatement, oui, les riches, les élites, eux, ils sont les plus menacés, clairement. J'ai envie de dire, quelque part, ce que tu dis, ça, tous les ouvriers ne peuvent être que d'accord. Menacés, c'est les, ceux qui possèdent le plus. Bah, ceux qui sont menacés, c'est tous ceux qui profitent réellement du système. Tous ceux qui profitent du système. C'est pour ça que ce que je dis est révolutionnaire. Oui, parce que voilà, encore la caissière, j'ai envie de te dire, assis tout de suite, mais celui qui a 5 appartements à Versailles, il n'est pas tout à fait d'accord. C'est en cela qu'on voit que, par exemple, un Besancenot, qui quand il est sur les plateaux de télévision, siège aux côtés de Parizeau. Oh ben il se la ferme. Hein, il ne peut pas être un révolutionnaire. Parce qu'il lui dit ça, voilà, Parizeau. Je crois qu'elle va te balancer à la DCRI, enfin tu vois, c'est très révolutionnaire quand même. C'est et surtout pour les grands possédants, je trouve vraiment les grands possédants, là, ils seraient terriblement... Cela dit, les grands possédants, ils ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils en font de leur argent? Ils ne peuvent même pas le dépenser. Non, ils ne peuvent pas le dépenser. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est d'une indécence. Mais bon, on s'en fout. Ils ont le pouvoir. Mais en période de révolution, l'argent ne compte plus. C'est le pouvoir, c'est la force. 99% des gens ont forcément plus de force qu'un pour cent. Mais c'est ce qui s'est passé dans toutes les révolutions. Ça n'empêche pas les révolutions. Ouais. Et du coup, donc, alors, ça ne change pas le système en place, donc c'est-à-dire les accès aux soins, etc. Tout ça est gratuit. Il n'y a plus, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui doit se faire soigner, il ne paye rien. Il n'y a plus de. Mais de toute façon, on ne va pas instaurer l'argent comme ouais, ça. Il n'y a pas de monnaie. Le médecin, lui, quand il va manger, quand il mange, c'est gratuit pour lui. Ouais. Quand il achète sa voiture, c'est gratuit pour lui. Bon, mais voilà, c'est... Et il faut surtout pas, alors Mais par contre, tout le monde est effectivement tenu de remplir son devoir. Ouais, attention, que dans l'accès aussi... Il y a des gens qui prennent l'émission en cours de route, donc c'est... J'ai une question, c'est est-ce que justement dans le fameux accès au marché... Il est identique pour tout le monde. C'est parce qu'on va pas dire à un moment donné, bon ben le médecin, lui, il a un peu plus l'accès au marché que. Alors j'ai imaginé une chose, ça c'est qu'une chose que j'ai imaginé, c'est qu'on pourrait effectivement accorder à l'occasion des priorités. Ça ne veut pas dire que c'est un droit différent. C'est pour des gens plus méritants que d'autres, on peut dire, tiens, pour eux, il y aura une priorité. C'est pas un droit différent. Mais on ne regrette pas la classe des classes sociales, non? Non. Non, mais par exemple, tout à l'heure, quelqu'un me parlait de, je sais pas, de Picasso, et qu'est-ce qu'il disait, une table de Picasso. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'il y a la table de Picasso, quoi. C'est pas ça qui... si ça fait plaisir à quelqu'un qui a... Parce qu'il a plus travaillé, enfin, il a mieux servi la cité que d'autres, il a droit à ce truc-là, ça change rien à la vie des autres. Ouais, mais ça va pas créer une place de privilégié, quand même, non, un peu. Privilégié, mais d'accord, mais ça change quoi à la vie concrète des gens? Le problème dans un système monétaire, c'est que pour que des gens
aient plus de droits que les autres, il faut qu'ils prennent l'argent aux autres. Donc les autres aient réellement moins de droits. Mais là, ça ne leur enlève rien. Alors, là, il y a certainement une idée préconçue que tu dois bien connaître et que tu vas démonter. On nous dit, on a créé l'argent pour répartir les ressources réelles entre les êtres humains, assurer leurs échanges et faire fonctionner la société en incitant au travail. Non, rien du tout. On n'a pas créé l'argent. L'argent, c'est une croyance qui s'est imposée. Alors, là, on a inventé la monnaie. Mais la monnaie n'est pas l'argent. L'argent, c'est, encore une fois, la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. C'est une croyance qui est venue, qui s'est imposée d'elle-même par la pratique du troc. Et l'évolution, avec cette croyance, a amené la monnaie. Mais on n'a pas créé la monnaie pour faire ça. C'est qu'effectivement, la monnaie, du fait qu'elle soit là, on s'aperçoit qu'elle crée des inégalités, qu'elle permet l'exploitation, qu'elle fait ci, qu'elle fait ça. Mais ça n'a pas été fait pour ça. Ça n'a pas été inventé pour ça. Ça n'a même pas été inventé. C'est une conséquence. C'est une conséquence qui découle naturellement. Voilà, ça n'a pas été créé pour. C'est ni pour ça, ni pour autre chose. Et à quel moment, justement, est-ce qu'il y a, il y a des expériences de société sans monnaie? Est-ce que tu as eu connaissance de ça? Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire? Enfin, à part... Sans monnaie ou sans l'argent? Enfin, non, mais déjà, dans l'histoire, c'est sûr. Hein, les premiers trocs, je pense, ça doit remonter à quelques 50 000 ans, tu vois, quelque chose. L'homme existe depuis plus que ça. Hein. Donc, il y a des sociétés qui n'ont même pas connu l'argent, ni le troc. Les sociétés animales, il n'y en a pas une qui connaît le troc. Hein. Et elles fonctionnent. C'est... Au niveau des sociétés humaines, il y a eu des expériences, ouais. Alors, il faudrait voir le détail, parce que même s'il n'y a pas de monnaie, ça peut être basé sur des préjugés monétaires. Si par exemple on réintroduit le rationnement, des trucs comme ça. Mais il y en a eu, oui. Mais, je crois que les kibbutz, certains kibbutz fonctionnaient comme ça. Mais c'était des petites communautés qui ne fonctionnaient pas tout à fait. En fait, la communauté ne fonctionne pas selon le principe d'accès libre. Parce que une petite communauté, forcément, tout est rare. Donc, c'est plutôt le partage. Donc en fait, ça fonctionne plutôt sur la répartition. La répartition. C'est la façon d'appliquer le principe d'égalité. Mais ce n'est pas tout à fait celle dont je parle. En Espagne aussi, il y a eu des communautés comme ça, sans argent. Enfin, en tout cas, sans monnaie. Oui, il y en a. Et en Grèce, avec la situation, ça ne leur a pas donné des idées aussi, non? Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir l'idée en pleine crise. Hein. Il faut l'avoir avant. C'est pour ça que... Il est urgent d'y penser maintenant. Alors. L'idée-là commence à se répandre. Alors, on me dit, voilà, comment ne pas garder un préjugé sur la monnaie si d'autres pays continuent à monnayer? Oh, faut s'en moquer, hein. C'est vrai qu'on a du mal à concevoir, je veux dire, nous, par exemple, on s'y met, mais tous les autres autour de nous ne sont pas dans ce... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on était ensemble. Aujourd'hui, individuellement, nous fonctionnons tous comme des systèmes non monétaires. Nos corps. La société, on appelle ça le corps social. Ben, imaginez votre corps. Des organes complémentaires, etc. Vous évoluez en tant qu'individu dans un monde non monétaire. Dans un monde monétaire. Mais vous avez besoin d'apports extérieurs. Vous avez besoin de manger, clairement. Comment vous faites? Ben, vous travaillez. Avec votre travail, enfin, en contrepartie de votre travail, on vous donne de l'argent, puisque le monde est monétaire, et avec cet argent, vous achetez à manger. Ben, le principe est exactement le même pour une société dans son ensemble. Elle produit, elle exporte, elle vend, elle a un budget, elle achète. D'accord. Bon, après, il faut mettre en place des institutions, etc. Mais voilà le principe. Donc aussi, on m'a parlé de la question des frontières. Ça, c'est bien, parce qu'on m'a dit qu'il y a une nécessité de rétablir les frontières aussi dans ce système-là. C'est très important. Mais par définition. La cité est finie à un instant T. La cité est formée par un ensemble de citoyens. Donc c'est pas l'humanité, c'est la société des citoyens. Après, je t'ai dit qu'il y avait en plus une différence entre la citoyenneté et la nationalité. Alors c'est quoi cette différence? Parce que j'aimerais bien comprendre. Mais précisément, comme aujourd'hui on est dans un monde où les gens quand même circulent, en tout cas ils ont beaucoup circulé dernièrement, pour qu'un système fonctionne, il faut qu'il soit défendu par des gens qui y sont attachés.
Donc ça ne peut pas être par des gens de passage, ou par des gens qui étant ou d'un TIF qui pense universel, ou étranger qui pense étranger. Il faut que ce soit un corps de gens, enfin il faut que ce soit des citoyens attachés à la cité. Et c'est la différence entre ce que j'appelle les citoyens donc ordinaires et les citoyens nationaux. Enfin, les citoyens qui sont fidèles plus que les autres à la cité doivent pouvoir le prouver par des devoirs particuliers, doivent en retour jouir de droits particuliers qui sont les droits politiques. Et la nationalité confère les droits politiques. En fait, aujourd'hui, la nationalité, ça ne veut rien dire. En fait, aujourd'hui, les notions de citoyenneté et de nationalité sont confondues précisément parce que dans un système monétaire, la société ne peut pas garantir les droits économiques aux citoyens puisqu'ils passent par la monnaie. Donc elle est obligée d'inventer autre chose. Mais dans un système où effectivement c'est la société qui garantit les droits économiques, elle garantit non seulement les droits économiques, mais elle peut aussi reconnaître qu'il y a une différence entre des gens qui sont attachés à défendre la société et des gens qui n'en ont rien à foutre. Au niveau économique, ils auront quand même les mêmes droits. D'accord, mais qui va faire cette différence? Ça va s'établir comment? Donc c'est les devoirs, c'est-à-dire ceux qui accepteront de faire tel devoir. Par exemple, moi je suis pour le rétablissement d'un service national, par exemple. Mm-hmm. Pas forcément militaire, mais national, qui a un sens. Et donc les gens qui sont. Mais volontaires. C'est-à-dire que les gens qui acceptent. Ça va au-delà. En fait, pour pouvoir accéder dans mon système, tel que moi je le conçois. Hein, pour pouvoir accéder à la nationalité, il faut d'abord répondre à des critères identitaires qui font que on est en France, donc pour être français, il faut répondre à des critères identitaires qui sont que les gens peuvent remplir hein, s'ils le veulent, et ensuite remplir des devoirs. Donc, c'est voilà. Simple, les critères identitaires, ça va être quoi? Basé sur la langue, des choses comme ça? Bah oui, c'est prénom, langue, vêtements, enfin des trucs de base. Prénom aussi, ça veut dire... C'est quoi un prénom? Le prénom, c'est la première chose qui indique l'appartenance à une communauté. Oui et non. Non mais c'est pas oui et non. Non mais ah, ça aujourd'hui, peut être trompeur, c'est pas vrai. Ça peut mais être aujourd'hui, oui. Mais de tout temps, ça a été comme ça. Hein. Oui. Mais que font les musulmans quand ils. Enfin, les gens qui se convertissent à l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un prénom arabe, qui n'est pas en fait musulman, c'est un prénom arabe. Ouais. Pourquoi? Un nom désigne une chose. Mmh. Bah, quand tu as un prénom français, on comprend tout de suite que tu es français. Quand tu t'appelles Pedro, tu es D'origine espagnole, mais ça peut. Si tu peux t'appeler Pedro. Non mais ça c'est aujourd'hui, parce qu'en fait, avec les gens qui nous gouvernent, non mais demain, en fait, t'es même pas un homme aujourd'hui, tu sais pas. Non mais si on part sur les lois qui ont été pondues par les traîtres qui nous gouvernent, rien n'a plus de sens. Mais un prénom, c'est ça. Ça désigne la communauté à laquelle tu appartiens. Bon. Ouais. Non, mais. C'est Mitterrand qui a supprimé la loi. Oui, je sais. Ouais. Donc, c'est pas un truc que je sors de mon chapeau. Non, je sais très bien que c'est une loi qui existait avant, on était obligé d'avoir un prénom français. On francisait même les noms de famille. Il y a même qui le font aujourd'hui, de même. Bien sûr. Ouais. Mais heureusement, il est dommage en fait que la loi ait été supprimée. Tu penses que ce sera un facteur qui facilite donc l'accès à une assimilation française donc. Évidemment. Moi, je pense qu'un prénom, ça fait 90% d'identité. Quand toute ta vie on t'a appelé François, dans ta tête, ça ne résonne pas pareil que quand on t'appelait autrement. Quoi quand on t'appelait Pedro. Ben, forcément, ça te marque. Et ça n'aura. Tu as une image de toi et les autres ont une image de toi qui est aussi différente. Donc c'est forcément ça marque. Mais aujourd'hui, on a des gens qui veulent tout détruire dans tous les sens. Donc donc ils ont commencé par ça, hein, notamment. Quoi. Ça a quand même été un des premiers trucs, hein, le 81. Mais c'est une évidence, c'est une évidence. Bon, aujourd'hui, il faut rappeler les évidences. Mais bon, donc, enfin, peu importe. Et donc, des critères identitaires et un devoir, et donc volontaire. Et c'est à chacun, c'est la loi qui définit les critères et les devoirs, et après c'est à chacun d'assumer son choix, quoi. Ouais, mais alors, parce que ces critères, ça voudrait dire que ceux qui ont eu... de naissance un prénom qu'ils n'ont pas choisi. Mais tu peux le changer. Ah d'accord, il est possible. Tu peux pas changer ton prénom en théorie. Si tu peux. C'est compliqué. C'est dur. Non mais c'est déjà pour ça qu'en fait il faudrait revenir à cette loi qui interdit de donner n'importe quoi comme prénom. Parce que déjà le problème que tu soulèves se poserait beaucoup moins. Il se poserait uniquement pour les gens qui sont effectivement nés à l'étranger. Parce qu'en général quand tu es né à l'étranger
Ils ont des prénoms étrangers. Et quand on est en France, pourquoi ils ont encore des prénoms étrangers? Pour garder les racines. Les parents n'ont pas le droit de faire non plus n'importe quoi avec leurs enfants. Ils ont peut-être la charge de leur éducation, etc. Mais il y a quand même un moment où il faut qu'ils arrêtent, quoi. En fait, c'est par l'autre, l'autre, c'est, l'autre c'est... qui appelle son gosse quand même Térébenthine. Je ne dirais pas de nom. On avait vu une fille de Mégane au Renault. Non, mais la loi interdisait à une époque. Oui, de faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi. Parce que le gosse, parce que les parents, eux, ça leur prend 30 secondes, hein, mais le gosse, il le porte toute sa vie, quoi. Enfin, en théorie. Tu vois, c'est pas rien de stigmatiser comme ça un gosse dès le berceau, quoi. Mais si on donne un prénom, comme t'imagines bien, par exemple, là, il y a un public énormément, on va dire, éclectique qui nous regarde, qui a toutes sortes de prénoms. Je réponds simplement. Vous avez quelqu'un qui arrive, il vous dit, je m'appelle Pedro. Vous dites quoi? Mais oui, il est français. Ou vous dites, il doit être hispanique. Bon, ben, voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est la même chose pour... Oui, mais moi, j'ai un prénom français, je donne votre prénom français, on me demande aussi toujours mon origine. Ça oui, on n'est pas en cause le fait que tu sois français. Tu dois venir des îles ou un truc comme ça. Même pas. Non, si on te pose la question, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est dans ce sens-là. Oui. Mais quand on n'a pas du tout un prénom français... Le problème, c'est justement, c'est après, il y a des gens qui cumulent. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu peux pas cumuler les signes qui disent aux autres que tu es étranger et t'attendre à ce qu'ils te prennent pour un français. Tu vois, c'est... Il y a des choses qui dépendent de toi. Si ce qui dépend de toi, tu le fais de travers, il faut pas dire que ce sont les autres qui te... Mais alors, pour me faire l'avocat du diable, toujours, imagine identitairement un citoyen... Mais, cela dit, pour moi, ça ne suffit pas. Ouais. Encore une fois, derrière, il faut remplir des devoirs. Ouais, il y a des devoirs à remplir, bien sûr. Pour moi, le mec qui s'appelle François et qui crache sur la France... Il n'aura pas le... Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Il remplira pas ses devoirs, de lui-même. Hein. Voilà, parce que finalement, on peut s'appeler Mohamed et être plus empathique et être plus français que des fois le François. Enfin, dans d'autres époques, ça ne veut plus rien dire. Tu sais très bien. Mais il faut revenir à des choses de bon sens partout. Voilà. Mais partout. Ouais. Ah oui, donc je disais, la nationalité ne s'acquiert pas à la naissance. Aucun droit ne s'acquiert à la naissance. D'ailleurs, de la déclaration des droits de l'homme de 89, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Non. On ne naît pas avec des droits. On ne naît pas citoyen. Il y en a qui disent qu'on devrait pouvoir choisir son prénom une fois majeur. Ça simplifierait les choses. Alors, d'accord, le choisir. Moi, je suis... Effectivement, pour qu'on choisisse... Mais en même temps, pour être français, il faut choisir un prénom français. Ça voudrait dire qu'il y aura quand même une liste de prénoms définis, parce que qu'est-ce qui va dire que... Moi, je connais des gens, ils inventent leur nom. Ils inventent. Français ou francisé. Ouais. Il y a des gens qui inventent des prénoms qui n'existent pas. Ça arrive. Bon, mais après, avec le temps, j'en sais. Mais à un moment donné, il faut quand même être cohérent. Quand on, si on veut donner un signal à quelqu'un, il faut donner le bon signal. Voilà, ouais. Il faut prendre la bonne pancarte. Voilà, si tu prends une autre pancarte, il ne faut pas t'étonner que le mec il n'arrive pas à lire. Hein. Dans les supermarchés, quand il y a des poros, on met poros. On ne met pas courgette. Oui. Non, mais, les mots servent à désigner les choses. Si on intervertit les mots. Peut-être qu'il faudrait imposer un prénom français, puis un autre prénom. Français ou francisé. D'ailleurs, ouais. Français, francisé, éventuellement aussi tiré des cultures régionales, mais que les cultures régionales de France sont c'est la France. Mais voilà, ça fait quand même un sacré choix. Hein. Non, mais d'ailleurs, tu me dis ça, mais ils veulent choisir, ils s'appellent tous Mohamed. Après, les Français, beaucoup s'appelaient Pierre, Marie, c'est des prénoms qui reviennent. Mais dans la culture française, il y en a quand même un paquet de prénoms. Souvent, on regarde dans la culture... C'est pas des prénoms chrétiens. Oui, mais dans la culture musulmane, les prénoms ont des correspondances. Mais on sait très bien, Myriam, c'est Marie, etc. Mais pourquoi ils font pas la correspondance? Quand tu vis en France, tu fais en sorte que tu t'adaptes. Oui. Si tu veux pas t'adapter, au bout d'un moment, il faut pas s'étonner que l'autre en face, il voit ce que tu lui montres. Alors on me demande une question, c'est vrai, qui est intéressante. On me dit, est-ce que toi, tu es pour la libération des dom-toms de la domination française? Ou est-ce que tu penses qu'ils font partie intégrante de la France et ça se pose pas ça? Moi, je pense que ce sera eux de choisir. Ah, c'est à eux de choisir. Ah, ça, c'est intéressant que tu dises ça. Pour moi, je ne suis pas contre le fait qu'ils choisissent, puisque là, ce sera un système
ou on en fait partie ou on n'en fait pas partie. Donc, a priori, ils voudront en faire partie, pourquoi pas. Ce sera eux de choisir, moi je suis, ouais. Moi, je suis pour la... Mais c'est vrai que c'est marrant d'entendre dire ça. Moi, je suis pour la souveraineté des peuples, alors je ne sais pas si c'est un peuple à part, mais les territoires hors métropole auront la possibilité, enfin, si ça dépendait de moi, je suis effectivement pour qu'ils jouent. Ils choisissent, ouais. On me demande d'ailleurs, c'est vrai qu'il y en a un type de la double nationalité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la double nationalité. Est-ce que quand on a une double nationalité, on a une nationalité à part entière? Ben on en a deux entièrement à part. Non mais... Ben voilà, moi je suis contre. Hein. T'es contre la double nationalité? En tout cas, on est par rapport à la France, je suis contre le fait qu'il y en ait deux, et s'il y en a deux... Tu peux choisir. Mais si on n'a pas choisi, justement, la française ne compte pas. Quoi. On ne peut pas être fidèle... En plus, dans le droit, pour le moment, c'est l'inverse. Parce que je crois que c'est la nationalité française qui supplante toutes les autres. C'est-à-dire que si je suis français et je n'ai pas... Non, mais autre... si on est français, on choisit la France. Ouais. Si on ne choisit pas la France, c'est qu'on n'est pas trop sûr. Quoi. Bon. À ce moment-là, on ne peut pas avoir le citoyen national. Ça, on peut vivre en France, mais on n'aura pas tout à fait les mêmes droits que les autres. C'est non, ça. Non, non. En tant que citoyen, la citoyenneté garantit les droits économiques. Voilà. On a les droits politiques, ça concerne les nations. Parce que c'est vrai aussi pour les immigrés dans mon système. Oui, voilà. C'est immigré. Oui. C'est un citoyen dans mon système. Mm-hmm. Donc il a accès au marché aussi. Mais sauf qu'il n'a pas accès aux droits politiques. C'est ça que tu... illégal, qui travaille, etc. Oui, bah oui. Voilà. Il n'y aura pas d'immigration illégale. Hein. Ça n'a pas de sens. Hein. Mais il ne pourra rien faire, l'illégal, dans ce système. Non, mais pourquoi on emploierait des illégaux? Oui, parce qu'il n'y a plus... Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, donc ça ne coûte plus rien d'employer des légaux, en fait. Exactement. Donc il y a une immigration légale ou pas? Bon. Et donc, lui, donc il a les droits économiques, mais il n'a pas l'accès aux droits politiques. C'est bien ça. Mais pas seulement lui. Les gens qui n'ont pas la nationalité, ils peuvent l'acquérir après s'ils remplissent les critères. Mais les gens qui ne remplissent pas les critères et les devoirs pour acquérir la nationalité n'ont pas les droits politiques. Mais les droits politiques, on ne les mange pas. Hein. Oui. Par contre, manger, c'est tous les jours. Tu vois, c'est les voitures, et manger, et la maison, ça c'est toujours. Les droits politiques, c'est quand même secondaire. Hein. Même si certains vont trouver que ça c'est fondamental, bon, c'est quand même secondaire. Là on va voter, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas voté. Bon, ça se mange pas quoi. Ouais. Par exemple, tu vois, il y a Vicente qui nous dit, mon prénom c'est Vicente, donc probablement un basque qui dit, voilà, cela obliterait mon origine de région et cela signifie quelque chose qui n'est pas négligeable historiquement parlant. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Tu vas y répondre tout seul. T'as dit, oui, les prénoms d'origine régionaux aussi. La culture régionale aussi. La culture régionale. Française. Oui. Mais pas un truc inventé qui vient d'être importé et qu'on nous dit c'est régional. Hein, le couscous c'est pas français, la pizza c'est pas français. C'est, parce que c'est en France, maintenant on te dit c'est français. Non, c'est quelque chose qui historiquement est français. Quoi. Il y a des cultures historiques françaises. Voilà. Oui, comme ils disent, ils ne parlaient pas français, ses ancêtres aussi. Et alors ils sont devenus français petit à petit quand même. Oui, d'accord, mais bon, et là il parle de la question des prénoms, il dit Vicente. Effectivement, Vicente, c'est basque. Oui, c'est basque, j'imagine. Ouais. Et après, il y a des prénoms bretons. Bretons, voilà. Bon, non, mais je ne suis pas contre. Mais ça reste, c'est français. La France, c'est une culture française et une somme de cultures régionales qui en fait la France. Quoi. Mm-hmm. Bon. Mais c'est tout, c'est pas au-delà. Quoi. Donc, pas de prénom étranger. Tu vas te faire des ennemis. Peut-être, mais bon. Voilà, on me dit, je veux être libre de faire ce que je veux, et pas forcément basé sur des principes et des personnes qui m'ont forcé à respecter alors que tout me correspond. Voilà. Qui continue. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent, qui pensent que c'est vrai que c'est très important de... voilà, qui disent comment on change des prénoms, par exemple. En ayant choisi. Alors j'ai le nom, par exemple, j'ai Abdallah qui me dit tout de suite, bah oui, mais moi je m'appelle Abdallah égale serviteur de Dieu, comment franciser autrement? Mais déjà, c'est bien pour ça que je dis que le problème, c'est que c'est pour ça qu'il faut inciter les parents à le faire dès le départ. Et la loi, c'était la loi, je rappelle quand même que c'était la loi. Oui, c'était la loi, c'est Mitterrand qui l'a supprimé et qui a créé derrière des situations, mais complexes, humaines. C'est au nom d'ailleurs au nom de la... de l'ethno-différentialisme exacerbé un peu. Ils ont fait ça précisément au moment où c'était le plus nécessaire. C'est-à-dire que c'était au moment où c'était des populations qui étaient extra-européennes, ils ont fait ça alors que c'était eux qui avaient le plus besoin de s'assimiler. Quoi. Ouais. Parce que ça, on l'a fait pour tout le monde, hein, sauf pour eux. Après, les gens qui sont dans cette situation-là viennent
reconnaissent eux-mêmes que ça pose des problèmes dans leur vie quotidienne. Mais c'est ce que je dis, il ne faut pas s'étonner, hein. il n'y a pas à s'étonner. On ne peut pas envoyer des signaux et s'attendre à ce que l'autre le perçoive autrement. Il y a un moment donné, c'est chacun fait un choix. Je dis une évidence, je répète, quand les gens se convertissent à l'islam, ils prennent un prénom arabe, ça a un sens, mais quand on veut faire partie de la communauté nationale française, ben c'est, en théorie, ça passe par le fait d'avoir un prénom français. Quoi. Ouais, Freeman qui me dit Abdallah, tu l'appelleras Paul, et Mohamed Luc au suivant. Ouais, est-ce qu'on te veut un peu radical, ouais. Mais d'ailleurs, une chose, les prénoms français ne sont pas des prénoms chrétiens. C'est des prénoms qui existaient avant, qui ont été utilisés par les catholiques, mais qui ne sont pas chrétiens en soi. Moi, je m'appelle Philippe, c'est pas chrétien, c'est grec. Il y en a plein comme ça. Oui, bien sûr. Voilà, il y a Salim, il dit, moi je m'appelle Salim, je me sens totalement français, comment pouvez-vous répondre à cela? Mais la question, c'est pas de savoir comment il se sent, c'est comment est-ce que les autres te perçoivent. Voilà. Est-ce que être français, c'est véhiculer soi-même. Oui, mais ça se trouve, si on rencontre Salim... Non, mais c'est précisément ça le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont effectivement, concrètement, à deux doigts de... il n'y a pas de problème, sauf à ce niveau-là, quoi. Et c'est quoi un prénom? Putain, ça, c'est rien. Les mecs, quand ils vont sur Internet, ils prennent des pseudos. Même moi, c'est pas mon prénom. Bon, je sais pas, s'ils veulent... C'est un problème en soi, donc ou on veut le régler, ou on veut pas le régler. Et j'indique comment faire, s'ils veulent continuer à traîner un prénom qui fait que chaque fois qu'ils font un pas, on leur demande s'ils sont français, mais il ne faut pas se donner qu'on leur pose la question. Parce qu'être français, c'est avoir un prénom français, pour commencer. Quoi. Et les parents devraient le faire dès le départ. Aujourd'hui, évidemment, on a autorisé les gens à faire n'importe quoi, même à se balader à poil dans les rues. Oui. Non, mais on est dans le n'importe quoi, et c'est des gens qui ont été victimes de ce n'importe quoi. C'est vrai que voilà, il y a Jem Lynch qui me dit ouais, et tous ceux qui habitent aux frontières, les transfrontaliers, qui sont un peu à cheval sur les deux pays, qui ont deux. C'est vrai qu'on retrouve un peu de par exemple, je pense aux Alsaciens qui sont très proches des Allemands et qui prennent des prénoms allemands des fois. Même réponse, à un moment donné, c'est aux individus de faire un choix. Moi je n'impose rien, moi je ne fais pas le choix à la place des individus. Je dis. Vous êtes libre de faire un choix, mais il faut l'assumer. Voilà, si vous ne faites pas de choix, vous l'assumez. Vous faites un choix, vous l'assumez aussi. Alors, une question encore, toujours, parce qu'on me dit, est-ce qu'un Français peut être musulman? Parce que c'est mais, ouais, bien sûr. Ouais, voilà, c'est Moedib qui me dit ça, est-ce qu'un Français, parce que lui, ils ont interprété, un Français ne peut pas être musulman. Alors, sachant qu'il n'y a pas d'obligation dans l'islam de porter un prénom arabe. Ça, c'est ce que quelqu'un vous a dit tout à l'heure. Il y a même l'obligation de faire à Rome comme les Romains. Oui. Donc, tu dois t'adapter, oui, à un article. Oui, attends. Ouais. Mais bien sûr qu'on a droit. Tant qu'effectivement la religion ne pose pas de problème dans le cas de la France. C'est comme toutes les... Et c'est vrai pour toutes les religions. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? Parce que là j'ai vu, on a dépassé un peu. Dalida chantait toujours les mots virtualisent des êtres et des objets physiques. Ouais, ils sont pas tous d'accord avec les mots. Donc la religion musulmane est interdite. Non, t'as jamais dit ça quand même, là, justement. Parce qu'ils vont se faire c'est important de le dire. C'est le côté dramatisation systématique des choses. Ouais. Mais j'ai pas dit ça, je ne sais même pas ce que je pense en plus. Il demande d'ailleurs qui a créé cette loi. Mais c'est une loi qui datait depuis longtemps, cette fameuse loi sur les prénoms. Il y a quelqu'un qui me dit que c'est aussi à l'autre de passer outre. C'est pas le problème, c'est que c'est un ressenti. Les gens ressentent les choses comme ça parce qu'en fait c'est dans la logique des choses. Comme je disais tout à l'heure, encore une fois, quelqu'un se présente avec un prénom, il m'appelle Pedro, tu dis pas de suite mais c'est un Français. Bon, donc c'est une question de ressenti. Si on veut pas faire ressentir quelque chose aux autres, il faut leur envoyer le bon signal, c'est tout. Ouais, mais quand même, pour le coup, par exemple, s'il s'appelle Vicente, il peut être aussi d'origine basque espagnole. C'est pas forcément français non plus. Bon, peut-être pas enculer les mouches de toute façon. Ouais. Mais bon, voilà. En tout cas, attends, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, oui, alors on a cette histoire de France. Voilà, te passe, si la France est chrétienne, pourquoi sa langue n'est pas le latin? Voilà. Non mais d'abord, je suis même pas sûr que le latin, en fait, ait été la langue de la France. Oui.
déjà, pour commencer. Ça a été la langue des élites. Je suis pas sûr que ça a été la langue de la France. D'ailleurs, on voit bien que même sous la Révolution, ils ne parlaient pas français, les gens. J'ai lu un bouquin de... Comment il s'appelle? Le Pierre Lance, sur cette question-là. Quoi. Et effectivement, c'est assez... Il dit des choses assez troublantes, en fait. Que presque le latin aurait plus été influencé par le celte que l'inverse. D'accord. Ouais. Ah. Bon. Alors là, encore une histoire à creuser. Devenez apatride et Pedro, c'est portugais aussi. Oui, voilà, bon, ça, ils ont quand même, ils ont été secoués. Il y en a qui sont d'accord, hein, il y en a qui dit 100% d'accord avec monsieur, j'ai vu. Il y en a, tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas, ils sont un peu secoués, évidemment, par cette nouvelle. De toute manière, le monde est toujours plein de nuances. Il est préférable d'avoir un citoyen musulman français qu'un Yannick Noah et Globetrotter. Je pense que ce monsieur pose, c'est que le citoyen français type, mais après, c'est comme pour Jésus, on se réfère à lui comme un comportement parfait, mais personne n'est Jésus. Non mais alors, être français, c'est... D'abord, dans ce que je dis, pour moi, je pense que la France est une nation créée par la Révolution, elle est fondée sur un peuple, historiquement. Donc il y a forcément une dimension raciale. Mais la nation créée par la Révolution n'est pas raciale en soi. Quoi. C'est-à-dire que n'importe qui peut être français. Mais à certaines conditions, à Rome, fait comme les Romains. C'est clair. Hein. Voilà, il faut garder cet attachement à la France. Et toi, tu penses que voilà, ça passe par déjà les premiers attributs de l'identité, le prénom de la personne. Mais ça, c'est dans toutes les cultures du monde. Vous croyez qu'un... J'en sais rien, moi. Les guerriers Maasai donnent des prénoms américains. Bon, voilà, la question est résolue. Excite d'ailleurs les prénoms anglo-saxons aussi, d'ailleurs. Mais évidemment. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prénoms anglo-saxons aussi, partout. Bien sûr, mais je... Des John, le principe s'applique à tout. Oui. C'est le même principe, c'est des prénoms français. Exclus tous les autres. Pour être français. Après, si on ne veut pas... D'ailleurs, après, encore une fois, moi, il ne s'agira pas de forcer les gens. Mais pour être français, il faut remplir ces critères-là. Si on ne les remplit pas, on ne pourra pas l'être. Enfin, en tout cas, tel que moi, je conçois les choses. C'est tout. Et en plus, pour avoir accès, évidemment, à toute la dimension politique, tu l'as dit, de la citoyenneté, qui est très importante, puisque les droits économiques, eux, sont assurés par la citoyenneté elle-même. Donc, ce qui est une grosse différence, mais ça n'existe même pas aujourd'hui. Quoi. Ouais. Une identité par année pour chacun. Non, mon cher Louf, on ne pourra pas changer comme ça, j'imagine, d'identité comme on veut. Mais ça va poser vraiment le problème des nationalités, quoi, aussi, c'est vrai. Parce que tous les gens qui ont des doubles nationalités, voire des triples aujourd'hui, c'est très... Il faudrait qu'ils choisissent, quoi. Mais comment ils choisiront, d'ailleurs? Une question technique. Ils abandonnent leur nationalité? Ça s'abandonne aussi. Parce que toi, t'es pour la déchéance de nationalité aussi, parce que... Dans certains cas, évidemment. Parce qu'en France, c'est un peu tabou, ça, la déchéance de nationalité. Dans certains cas, ça va de soi, quoi. Ouais. Bah, attends. Non, mais déjà... effectivement, il y a certaines insultes à la France. Taubira, là, elle devrait être déchue de la nationalité, là. Ouais. Avec ce qu'elle nous a fait sur la Marseillaise. Mais attends, j'ai cru lire qu'ils étaient en train de changer les paroles de la Marseillaise et qu'ils avaient confié le travail à un rappeur. Non, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Je l'ai diffusé sur mon Facebook. Non, mais aujourd'hui, on est arrivé tellement loin que c'est possible. Oui, c'est parce que tout le monde m'a dit, mais c'est possible et tout. J'ai trouvé possible, ça tellement énorme. Mais bon, malgré tout ce qu'elle a dit... Mais c'est vrai que c'est cohérent. C'est cohérent. Tous, médecins au gouvernement, tous. Ouais. Comment est-ce qu'on peut avoir des gens au gouvernement qui ont la double nationalité? Comment est-ce qu'on peut avoir ça? Oui. Et qui vont travailler dans un... Alors, aussi, quand tu travailles pour une armée d'un autre pays, là, c'est carrément comme Klarsfeld, il travaille au Conseil d'État, puis il est dans l'armée israélienne. C'est exactement la même chose. Hein. Pour être français, pour moi, il faudrait qu'il ait fait le service en France. Et à partir du moment où il sert pour une armée étrangère, il ne peut pas normalement avoir la nationalité... Clairement, mec Conseil d'État, quoi. Non mais voilà par quoi on est gouverné en France. Bon, on s'étonne. Oui, oui. On n'a pas un gouvernement français, on est gouverné par des traîtres. Voilà. On est gouverné par des traîtres qui nous ont pondu des lois de traite depuis 40 ans. Quoi.
Et aujourd'hui, évidemment, comme on est dans un système de loi, il y a des gens qui ont suivi les lois et qui se retrouvent dans des situations pas possibles. Ben, le problème, c'est qu'effectivement, c'est les lois. Quoi. C'est, ils ont, on nous a pondu n'importe quoi. Un système totalement débile, totalement anarchique. Plus ça devient gros quand même. Là, c'est... Non, parce que... Là, depuis 2 ans, ça s'est quand même accéléré. Là. Il y a une question, c'est vrai, en plus, très intéressante, parce que là, on a dépassé, donc on va finir un peu, mais une question intéressante, on me dit, est-ce que finalement, tu ne vas pas te heurter à l'individualisme régnant, où tout le monde se prend pour un petit Watley? C'est vrai, parce que ce que tu proposes, moi, j'ai l'impression que c'est un projet pour tout le monde, et que finalement, tu vois, tout le monde a peur, parce qu'en se disant, mais je vais me retrouver lésé, quoi. Lésé de quoi? Bah, juste, moi, je sais, je lis, hein, tu vois, les réactions, quoi, un peu, mais je me fais l'avocat du diable, bien sûr, mais c'est... Se retrouver lésé, comme il donnait les exemples tout à l'heure, se dire, bah, je sais pas, moi je prends beaucoup de risques dans mon métier, pourquoi j'aurais les mêmes droits que celui qui va rien foutre, qui va changer les lampes, quoi, par exemple. D'accord, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. Le problème, c'est il faut se dire, est-ce que dans ce système-là, ce sera mieux pour moi que dans le système actuel? C'est pas de savoir si le voisin aura plus ou moins, on s'en fout, ça. Enfin, tu parles d'individualisme. Mm-hmm. L'individualisme, c'est ça. C'est, est-ce que pour moi, ce système-là sera mieux? Ben, il sera mieux pour tout le monde. Hein. Il sera mieux pour tout le monde. Quoi. Il y a quand même pour les riches, je pense qu'ils sont dans... C'est un exemple que je prenais dans mon bouquin. Tu prends au Brésil, il y a des enlèvements toutes les semaines. Bon, alors, un riche, tant que tout va bien, ça va. Quoi. Le jour où il se fait enlever son gamin, il peut peut-être reconsidérer les choses. Hein. Ils n'ont pas les mêmes inconvénients, les riches. Ça ne veut pas dire que tout est rose pour eux. Quoi. D'ailleurs, un des gros problèmes pour les riches, c'est que justement, précisément, ils sont riches. Quoi. C'est-à-dire que, je parle notamment pour les enfants, c'est que même s'ils ont un malaise, ils ne peuvent pas le dire. Ce serait tellement indigne pour quelqu'un de riche qui a tout, qui n'a qu'une cuillère à l'argent dans la bouche, et d'où l'accentuation encore de leur malaise. Ce système-là n'est bon pour personne en réalité. Même pas pour la planète. Donc, parce que de toute façon, si on continue comme ça, la question se posera même pas. Hein. Ouais, bah voilà, bah tu vois, il y en a qui sont, James Lynch, il est entièrement d'accord avec toi. Il y en a d'autres aussi qui partagent, il dit c'est un vrai patriote et que ça fait du bien. Bon bah tu vois. Voilà. Mais par contre, on nous dit, tiens, les Français de souche, c'est vrai, qui appellera sa fille, mais t'as répondu, Brandon ou Brenda, bah ce sera interdit. Bah, c'est pareil, c'est banni aussi. Ni pour l'américanisation, ni pour autre chose. Voilà, les prénoms anglo-saxons, pareil, quoi. C'est pas. Non, c'est pareil. Non, parce que les gens, il faut pas qu'ils interprètent, c'est contre les musulmans, non, mais il faut. Parce que... Un principe, c'est un principe. Alors, quand on donne un exemple, ça veut pas dire que les autres exemples sont exclus. Voilà. Brandon et Brenda, c'est exclu. Et Jennifer, et toi, n'importe quoi, putain. Voilà. On me dit la tenue vestimentaire pour être français aussi. En fait, non. Par contre, la loi ne devrait pas prescrire de tenue. Par contre, elle peut indiquer des tenues qui sont typiquement étrangères. Et il y a des tenues qui sont typiquement étrangères. Oui. Bon, voilà. Je ne rentre pas dans le détail, mais comprendra qui veut. Quoi. Ouais. Et c'est pareil, c'est pas exhaustif. Hein. Une tenue typiquement étrangère, quand on se balade en tyrolien, on ne se dit pas. Français, non, c'est... Voilà, ou en jupe, c'est à la mode en ce moment, en kit. Voilà. Et, ouais, voilà. Donc, là, on commence à s'éloigner, tu vois, c'est même plus le sujet. Ouais. En tout cas, bah écoute, merci, hein, parce que là, je vois que l'heure, on a dépassé allègrement... Et il commence à faire faim. Voilà, il y en a dépassé le temps prévu. On me dit un invité à inviter, bah, il n'y a pas de souci, tu vois, il y en a qui disent déjà, qui pensent qu'on peut encore aller encore plus loin dans le sujet, et je pense qu'ils ont raison. Attends, le fascisme, il en pense quoi? Alors déjà, c'est intéressant, parce que j'ai eu un bouquin dernièrement sur la question. En fait, le fascisme, c'est pas facile à définir. Déjà en soi, quoi, le mec, il parle de facho à longueur de journée. Ah oui, le fascisme aujourd'hui. Si déjà les mecs ils arrivaient à m'expliquer ce qu'est le fascisme, ils seraient forts, quoi. Je pense qu'ils n'ont pas le niveau pour expliquer ça. Hein. Bon. Mais si je considère le fascisme du point de vue de ma théorie, c'est le fascisme d'ailleurs, comme le communisme, comme le nazisme, ce sont des alternatives en fait à la toute puissance de l'argent. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans un système monétaire, où l'argent est roi, où il faut une puissance pour brider, une puissance politique pour brider les lois de l'argent. Et donc, c'est l'un ou l'autre. Alors après,
La forme politique peut prendre différentes formes. Ça peut être d'ailleurs la monarchie à une certaine époque. Après, on est passé au libéralisme. En France, on n'a pas connu le fascisme, mais dans notre pays, ça a été fait comme ça. Je pense que voilà, si je devais dire quelque chose là-dessus, c'est ça, quoi. C'est un système monétaire est soit sous le règne de l'argent, l'argent roi, capital et libéralisme, ou une forme de dictature. C'est-à-dire du fascisme ou communisme, enfin, c'est ce qui ressemble. Et, d'ailleurs, en pratique, fascisme ou communisme, en pratique, hein, ça se ressemble quand même beaucoup. Hein, même si les théories sont différentes au départ, sur la pratique, ça se ressemble quand même beaucoup. Quoi. Parce que le fascisme a un contenu social aussi. Hein, mm-hmm. C'est pas le mec qui va nous raconter que c'est le capital, machin. C'est un contenu social. Donc, en pratique, ça se ressemble beaucoup. Quoi. Bah, écoute, je pense que c'est une bonne conclusion. D'ailleurs, voilà, on te remercie pour cette conclusion, pour ces paroles de fin. Voilà, quelqu'un qui analyse les totalitarismes différemment, bravo pour ces paroles. Bon, bah, tu vois, c'est Eleftheros. Ah, c'était un commentaire. Ouais. Voilà, merci à Philippe, Erénu, etc. Tu vois, il y a pas mal de... Merci à tous. Hein. Non, il y a pas mal de gens, tu vois, ils se posent des questions, mais sont... je pense que tu vas déclencher beaucoup de débats sur le chat à suivre. Je vous connais, ça va débattre. En tout cas, c'était super intéressant et ça va donner des idées à beaucoup. Comme il dit Jem Lynch, ça permet de réfléchir à la suite et à se poser des questions. Alors effectivement, les gens peuvent réfléchir de leur côté en partant de l'idée que les citoyens doivent être égaux en devoir en droit, dont celui d'accéder au marché, parce qu'ils sont citoyens. Bah, c'est l'idée que j'ai eue au départ, c'est de là que tu es vraiment... J'ai développé toute ma théorie. Je n'avais pas une réponse à toutes les questions qu'on m'a posées. Hein. C'est que j'ai... il faut partir de l'idée que les citoyens seront dans un système dont ils ne pourront pas sortir. Donc, confrontés à un problème, il faudra qu'ils trouvent des solutions. Il faut se placer intellectuellement dans cette situation, et les solutions, en fait, on les trouve, elles sont assez faciles à trouver. Quoi. Une fois qu'on a résolu le problème de l'argent, qui empêche en fait de trouver des solutions à tout, parce que c'est lui-même qui les crée, les problèmes. En fait, dans ce système-là, les choses deviennent beaucoup plus simples. C'est des questions de bon sens, c'est des questions de volonté. Ça dépend de l'humain. Quand on parle, là pour le coup, c'est l'homme est au centre, vraiment au centre. Mais tu fais en plus disparaître des choses auxquelles on n'a pas trop évoqué, mais la corruption, non. La délinquance, une forme de... Bah, y a quasiment plus de délinquance. C'est toutes ces choses-là, c'est des fléaux qui sont les conséquences du même système monétaire. Pourquoi est-ce qu'on pique un autoradio? Bon, maintenant ça se fait plus trop, mais un autoradio, pourquoi est-ce qu'on casse une voiture pour piquer un autoradio? On peut rien revendre, et faire de l'argent, etc. Et s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de raison de piquer l'autoradio. Enfin, c'est en plus, c'est alors qu'on peut l'avoir si on est citoyen. Et à qui on va le revendre, puisque chacun peut en acheter un neuf. Mais c'est... Non, mais c'est tout est... Quand les gens me disent, mais ça ne change rien... S'attaquer à l'argent, ça change tout. Ça change tellement tout que les gens se font dessus. Ils n'osent même pas, avoir cette idée-là. Parce que s'attaquer à l'argent, c'est réellement s'attaquer... À la racine du mal, je trouve. Moi, c'est vraiment la racine. C'est s'attaquer à toutes les puissances de la Terre. Ouais. Ouais. Et le problème, c'est que quand on est un individu dans son coin, même si on fanfaronne, on dit ça, c'est rien. Quand on est dans son coin, on se dit, waouh, je vais quand même m'attaquer à un gros morceau là. c'est ou ça, ou on continue, et on reste dans la matrice. Ouais, bah écoute, moi je pense que ce soir, tu as réussi à faire réfléchir pas mal de gens. Je le vois, et voilà, il y a pas mal de mots d'encouragement. Voilà, oui, cannabis en libre distribution, Nedra, bon bah ça on verra. De toute façon, s'il n'y a plus d'argent, tu pourras faire pousser ton cannabis tranquille, ne t'inquiète pas. Moi je suis d'ailleurs pas contre la consommation, la production. Voilà. Je suis contre la vente. Voilà, moi aussi. Donc en tout cas, merci beaucoup hein, Philippe d'être venu. Je pense que le débat va se continuer, que beaucoup de gens. Ça leur a donné une vision des choses et voilà, et c'était le but. Je pense que, comme tu as dit, il faut lancer le pavé dans la marque. Donc j'invite les gens à lire la théorie, parce qu'il y a, encore une fois, je n'ai pas pu répondre à tout, et il y a beaucoup de choses dans la théorie. Ouais. Une façon de poser les principes qui sont révolutionnaires. Quoi. Ouais. Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu ne seras pas l'ami des Rothschild et Rockefeller, c'est pas grave.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous hein, sur le chat, comme d'hab, James Smith, Taz, Name Spirit, Tony, Georges, Vicente, Mehdi Landru, Autonomie, Nedra, Freeman, Babel, Zach Mémérian, Georges, etc. etc. Ah bah là, oui, pour le coup. Et puis, je peux te dire que sur Mumble, ils en ont un autre. Donc, des fois, ils en ont deux. Donc, tu vois, t'as raison. Vous voyez, sur ce coup-là, il vous a eu, parce que c'est vrai que vous avez tous des chats, hein, Émilie, Baptiste, Braz, Œil du Faucon, voilà, hein, mon cher Œil du Faucon, on sait que c'est pas ton vrai nom de Zeus, Kimazouf, Titou, Pascalia, Roi des Rois, Jeb Lench, voilà, Samwang, Kaf Marron, etc. Et ça, c'est tous les connectés, tous les métanautes, comme ils se sont surnommés eux-mêmes. Ça, c'est pas depuis le départ, ça. Ah, si, ils sont là depuis le début. Hein. Ça, non, mais c'est pas toutes les questions depuis le départ. Ça. Ah non, oula, ça remonte, je peux même pas remonter, ça, c'est juste ce qu'il y a eu depuis, depuis deux minutes. Ouais, non, c'est ce que je disais, il est impossible de répondre à tout. Non, c'est impossible de répondre à tout, bien sûr. Le mieux, c'est quand même d'aller à la théorie, d'aller au bouquin, et là, en plus, vraiment, ce sera plus posé. C'est vraiment une théorie carrée. Les gens qui en entendent parler, enfin, la plupart des gens sont dans le même état, hein, au départ. Quand ils découvrent, déjà, pour commencer, le réquisitoire contre l'argent, ça les assoit. Hein. Ouais, non, mais c'est ce que et c'est. Derrière, c'est que le premier volume. Non, parce qu'au début, quand on te parle cette idée de but en blanc, tu dis « waouh ». Mais après, plus tu y réfléchis, et plus finalement, ça te paraît sensé. Et en fait, d'une logique implacable, certainement. C'est du Robespierre, version 21e siècle. Bah, en tout cas, bravo et merci beaucoup pour cette soirée. Voilà, il y a énormément de remerciements. Merci. Voilà, Moadi, petit tout, tout ça. Voilà, ouais, super. Et je pense que les connaissants, je sais que le débat va continuer sur le chat. Hein, vous avez vos habitudes. Les Mumbleiens, c'est pareil. En tout cas, vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain. Ciao à tous. La dissidence de la dissidence. La haute dissidence. Merci, ciao. Merci. Au revoir.